Bonsoir à tous. C'est pour nous un honneur et un vrai plaisir de vous retrouver. Très nombreux, vous êtes au moins 4000, 5000, je pense. À vue de nez. À vue de nez. Vous êtes à peu près ça. Et en tout cas, nous sommes là ce soir pour débattre d'une question. Une question qu'à un moment ou à un autre, tous vous vous êtes posée. C'est la question ultime. C'est aussi la plus simple, la plus fondamentale. Est-ce que l'on peut prouver l'existence de Dieu, d'une manière ou d'une autre? Et pourquoi pas à travers la science? Alors la première proposition, c'est que il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Ça, c'est de la logique. C'est-à-dire que les mathématiciens vous disent on ne peut pas démontrer que quelque chose n'existe pas. C'est impossible. En revanche, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que, à la lumière de la science moderne, on peut conclure, après avoir traversé toutes les découvertes de ce siècle, que la science nous apporte, sinon des preuves, au moins des indices, des débuts de preuves, peut-être même des preuves, qu'il existe quelque chose qui nous montre que, à l'origine de tout ce qui est, il y a le mystère suprême de la création. Et derrière ce mystère, peut-être un créateur. Alors, aujourd'hui, nous avons de la chance. Nous sommes, au fond, tous ici, en face de personnes, trois personnes ici, devant vous, que nous allons vous présenter dans un instant, et qui ont, pendant des années, cherché. Et ce n'est pas n'importe qui, ce sont des scientifiques. Des scientifiques qui ont mis leur esprit de recherche au service de cette question et qui ont trouvé des réponses. C'est peut-être la première fois. C'est pour ça que je dis que nous avons tous de la chance, car le livre qui en résulte, dont le titre est « Dieu, la science, les preuves », ce livre ne ment pas. Son titre est justifié. Il y a des indices, comme Igor le disait, il y a des débuts de preuves et peut-être même des preuves complètes que l'univers n'est pas né par hasard et que derrière l'univers, il y a autre chose. Alors, je vais d'abord présenter évidemment ceux qui sont les héros, les trois héros de ce livre. Michel-Yves Bolloré. Je vais demander que Michel-Yves se lève pour que tout le monde puisse le voir. Et l'applaudir. Et applaudir. Bravo! Et comme je le disais, alors qu'on pourrait s'attendre à autre chose, non, c'est un scientifique, ingénieur, docteur en gestion des affaires de l'Université Paris-Dauphine, donc quelqu'un qui a un esprit profondément rationnel, et c'est cette rationalité qui, vous allez le voir, inspire tout le livre. Alors à sa gauche, un autre scientifique, et pas des moindres, il s'agit d'un polytechnicien, un ancien élève de l'école polytechnique, X86, Olivier Bonassis. Bravo Olivier. Oui. Bravo. Et puis, à la droite de Michel-Yves, également un grand scientifique, un chercheur d'abord et un enseignant qui plus est, Yves Dupont. Alors Yves a... Agreska vient de parler des deux auteurs principaux, mais Yves a étroitement collaboré à ce livre. Et c'est la raison pour laquelle il se trouve ici ce soir. Sa présence est justifiée par le travail et les connaissances dont il a enrichi cet ouvrage. Sachant que cette richesse est intellectuelle et scientifique, puisque Yves Dupont est normalien, ancien élève de l'École normale supérieure, là on peut applaudir, agrégé de physique, c'est une agrégation très difficile, et par ailleurs, il est docteur en physique des particules, donc il connaît très très bien l'infiniment petit, mais il s'intéresse aussi à l'infiniment grand et à leur unification. Voilà, vous avez donc devant vous un panorama de personnes qui sont aujourd'hui, depuis plusieurs années, engagées dans cette recherche et qui vont vous la faire partager.
Alors, après cette présentation, vous vous posez peut-être une question qui concerne les deux présentateurs, c'est-à-dire... Oui, mais c'est plus difficile. Mais alors là, c'est difficile. Oui. C'est difficile parce que, très souvent, là, tout à l'heure, quand j'étais dans la file, on m'a demandé, mais c'est Igor Grishka ? Alors, j'ai hésité, parce que tout d'un coup, j'étais pas tout à fait sûr d'être Igor. Mais enfin, mais oui. J'ai fini par répondre. Mais la question, c'est, mais qui est Igor et qui est Grishka ? Voyons. Voilà. Alors, certains d'entre vous connaissent l'anecdote qui est tout à fait exact, qui est vrai, que j'ai vécu, que je raconte à plusieurs reprises tellement elle est savoureuse. Il se trouve qu'il y a quelques années, je suis au marché aux puces, dans l'allée des tapisseries anciennes, tapisseries Bruxelles, 16e siècle, etc. Tout à coup, je vois quelqu'un qui fend la foule. Il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il a un sourire sur le visage. Il pointe un doigt dans ma direction. Je pense qu'il m'a reconnu. Il vient vers moi et il me pose cette question extraordinaire. Vous allez voir pourquoi. Une question à longue portée. Il me dit, dites, mais c'est vous ou c'est votre frère? Bon, vous avez compris, il vient de Tunisie, d'Algérie, de cette région du monde-là. Et quand il me demande si c'est moi ou c'est mon frère, j'ai un doute. Parce que je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus vraiment qui je suis. Mais bon, je reprends mes esprits. Et l'instant suivant, je lui réponds, enfin, vous voyez bien que ce n'est pas moi. Vous voyez, vous m'avez reconnu. Vous voyez bien que c'est pas moi, c'est mon frère. Et là, il a cette réponse qui emporte tous les doutes. Il me dit, mais c'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, écoutez, on va mettre fin au suspense. Moi, c'est Igor et lui, c'est Grishka. Voilà, exactement. Et je vais, avant de passer la parole à Michel-Yves Bolloré, je vais vous demander d'être très attentif à ce que je vais vous lire. Le morceau que je vais vous lire, ce segment de pensée, a été écrit en 1944. Et qui est l'auteur ? Un certain Max Planck, qui est le second prix Nobel, en fait, de physique, et qui est le fondateur de la mécanique quantique, la mécanique de l'infiniment petit. Alors écoutez bien cette phrase, car elle est symbolique pour notre réunion de ce soir. Je cite Max Planck. « Ayant consacré toute ma vie à la science la plus rationnelle qui soit, l'étude de la matière, je peux vous dire au moins ceci à la suite de mes recherches sur l'atome. » La matière comme telle n'existe pas. Toute matière n'existe qu'en vertu d'une force qui fait vibrer les particules et maintient ce minuscule système solaire de l'atome. Mais nous pouvons supposer, sous cette force, l'existence d'un esprit intelligent et conscient. Cet esprit est la matrice de toute matière. J'ai des frissons quand je lis ça, quand je pense que Max Planck, cet immense chercheur, le fondateur de la mécanique de l'infiniment petit, cet immense savant qui savait évidemment les détails de la matière, a été courageux et a été en même temps lucide. Pour écrire, finalement, la matière n'existe pas. Derrière, il y a l'esprit. C'est peut-être le premier indice qui va nous guider tout au long de la soirée dans cette merveilleuse recherche. Est-ce que l'on peut trouver Dieu et le prouver par les voies de la science ? Alors, pour répondre à cette question, eh bien, nous allons demander à l'auteur, premier auteur de ce livre, qui est l'initiateur de cette aventure sémiologique, mais qui est aussi une aventure scientifique, de répondre à une question toute simple. Michel-Yves, pour quelle raison avez-vous décidé, un beau jour, c'était il y a 3 ans, un peu plus, d'écrire ce livre ?
Alors d'abord, ce que je voudrais, c'est remercier Igor Igrichka, parce que c'est toujours absolument avec eux formidable. Même dans les sujets les plus sérieux, on est ravis de voir que la salle éclate de rire. Bon, voilà, c'est merveilleux. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus difficiles pour les autres, parce que quand on passe après eux, ça, on a vraiment l'impression d'être de l'eau tiède immédiatement. Alors, pas du tout. On les remercie quand même beaucoup pour cette introduction. Voilà. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, la question de l'existence de Dieu, c'est une question que tout le monde se pose au moins une fois dans sa vie. Et c'est normal parce qu'en soi, c'est déjà une question importante. Mais elle est aussi importante parce qu'elle est connexe à une autre question qui nous intéresse personnellement tous, qui est de savoir s'il existe une vie après cette vie. Et bien évidemment, dans le cas où l'univers serait uniquement matériel, c'est-à-dire dans la thèse matérialiste, eh bien, il n'y a pas de vie après cette vie. La vie après la vie, c'est uniquement s'il existe un Dieu créateur. C'est pour ça que cette question est intéressante. Alors, pour nous aider à y réfléchir, pour aider à chacun à y répondre, eh bien, nous avons effectivement fait cette conférence débat, et puis le livre « Dieu, la science, l'épreuve ». Et juste pour en donner quelques éclairages avant qu'on commence c'est une introduction, avant qu'on commence avec les morceaux les plus solides, ce que nous voulons dire, c'est que cette conférence, comme ce livre, est limitée à un seul objet, c'est-à-dire existe-t-il un Dieu créateur ? Un seul angle, c'est-à-dire une seule méthode, la raison et la science. Et puis un seul but, permettre à tous ceux qui se posent la question, qu'ils soient croyants ou incroyants, permettre à tous ceux qui se posent la question, voilà, de pouvoir disposer en un seul volume, ce livre, de tous les éléments que la science a pu apporter, et elle en a apporté beaucoup au siècle dernier, au début de ce siècle, pour essayer d'avancer dans la résolution de cette question. Et puis, un seul angle, donc la rationalité et la science, et un seul but, voilà, permettre à tous ceux qui se posent la question, voilà, de pouvoir, en toute liberté bien entendu, mais de façon éclairée, décider de ce qu'ils ont envie de croire dans le futur. Même si nous n'avons qu'un seul objet, une seule méthode et un seul objectif, nous nous intéressons à de multiples domaines, parce que quand on trouve des arguments, le mot preuve est toujours un mot un peu compliqué, quand on trouve des arguments ou des preuves, il est évidemment très intéressant d'avoir des arguments ou des preuves qui soient différentes et surtout qui soient indépendantes les unes des autres. C'est très important d'avoir des preuves indépendantes, parce que c'est un peu comme dans un procès, si vous avez des témoins qui sont tous d'une même famille, que ce soit à charge ou à décharge, c'est moins fort que si ce sont des témoins qui sont complètement indépendants. Donc le fait d'être multidomaine est très important, et on parlera aussi bien ce soir de cosmologie que de biologie. Alors pour que ce livre puisse intéresser le maximum de gens, nous avons travaillé très longuement avec Olivier, puisque ça fait 3 ans et demi qu'on travaille ensemble dessus, mais en fait on se connaît avec Olivier depuis beaucoup beaucoup plus longtemps que ça, on n'a pas dit un mot, mais on pourra peut-être en dire un mot, ça fait, je ne sais pas, peut-être... 10 ans, oui. Un peu plus maintenant, 10 ans. 10 ans qu'on se connaît, qu'on a travaillé dans d'autres aventures ensemble, notamment sur, Olivier a créé Aletheia, qui est un site, le premier site internet catholique au monde maintenant, qui est en 7 langues. Et donc il a fait beaucoup d'entreprises. Et il y a 3 ans et demi, on avait chacun de notre côté le projet de faire ce livre, et puis on pensait qu'on ne pouvait pas le faire seul. Alors, et puis on s'est mis à en parler, on s'est dit on va le faire tous les deux. Donc, les caractéristiques, ce que nous avons cherché, c'est d'une part l'exactitude, ça c'est très très important, et donc nous avons été aidés par de très importants scientifiques, et Yves Dupont, que je remercie énormément, qui est là, donc d'avoir des gens de ce niveau-là, si vous voulez, normalien, agrégé de physique, professeur, spécialiste des particules, qui nous aide et qui a relu, pas seulement lui, mais beaucoup d'autres gens ce livre, l'exactitude c'est très important. Mais en même temps que l'exactitude, si elle n'est pas accessible aux gens, elle n'est pas utile. Donc nous avons beaucoup, beaucoup travaillé pour que le livre soit accessible à tout le monde. Pour qu'il soit accessible à tout le monde, nous avons mis beaucoup dans le livre de choses, des notes en bas de page, des renvois dans des annexes, pour que le langage soit toujours fluide. Ce qui est important pour que les gens ne soient pas du tout inquiets sur le fait que ce soit un ouvrage scientifique, c'est de se rappeler que les idées qui sous-tendent les grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, ces idées in fine, ne sont pas des idées très compliquées. Savoir si l'univers est éternel ou s'il a un début et une fin,
La discussion est peut-être complexe, mais l'idée qui la sous-tend n'est pas très compliquée et elle nous importe. Bon. Donc voilà l'exactitude et l'accessibilité. Il y a eu donc dans le livre, et on s'en servira aussi, des analogies, des images, et nous avons des chapitres qui sont également indépendants, ce qui fait que si on n'aime pas un chapitre, on peut carrément le sauter. Un point très important, c'est que dans cette conférence, comme dans le livre, nous ne parlons ni de religion, ni de foi. Ça, c'est un sujet qui est complètement exclu. Ça veut dire que nous ne nous intéressons qu'à l'existence d'un Dieu créateur au sens du XVIIIe siècle. Nous ne cherchons pas à savoir qui est Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il veut, etc. C'est sûrement très intéressant et très important, mais ça n'est pas l'objet ni de cette conférence, ni du livre. Alors, est-ce qu'on peut avoir, d'abord, la première question, est-ce qu'on peut mélanger Dieu et science ? Voilà, ça c'est une question qui n'est pas claire pour tout le monde, parce que, en fait, jusqu'à il y a très peu de temps, il était admis que les deux sujets ne pouvaient pas être discutés ensemble. Il n'y avait aucun recouvrement, disaient les gens, entre la science et tout ce qui concerne un Dieu créateur. Ça avait un nom en Amérique, parce que c'est toujours les acronymes américains, qui s'appelle le NOMA, ça veut dire No Overlapping Magisterium, ça veut dire qu'il y a le magistère de la science d'un côté, le magistère de tout ce qui concerne Dieu de l'autre, et ils ne se parlent pas, ils sont séparés, et donc on n'en parle pas. Mais ça, c'est ce qui a prévalu très longtemps, et même peut-être même pendant tout le XXe siècle. Mais ce qui s'est passé, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que les progrès des mathématiques et de la physique ont été tellement extraordinaires au XXe siècle que la physique a, comme un énorme fleuve en crue, a complètement débordé de son lit et elle a envahi la métaphysique. Voilà, elle est venue télescoper complètement la métaphysique et des sujets qui auparavant n'étaient pas discutables, dont on ne pouvait pas parler, qui étaient des sujets de philosophie, c'est-à-dire le temps, par exemple, c'est un sujet de philosophie, l'éternité, c'est des sujets de philosophie, ce n'est pas des sujets de science, sont devenus des sujets de science et du coup ne sont même plus des sujets vraiment de philosophie parce que la philosophie ne sait plus vraiment en parler. Donc les choses ont énormément changé et ce que nous disons et ce que nous allons essayer d'expliquer, c'est que la science du XXe siècle a apporté énormément d'éléments qui viennent télescoper la métaphysique. Finalement, le problème se résout finalement à deux grandes thèses. Elles ne sont pas complètement, le problème n'est pas complètement binaire, mais grosso modo, il y a deux thèses qui se font face à face. Il y a une première thèse qui est la thèse matérialiste, que nous connaissons, c'est-à-dire l'univers est exclusivement matériel, il n'existe aucune forme spirituelle dans l'univers. Et la deuxième thèse, il existe un Dieu créateur qui a créé l'univers, et donc il y a un esprit très intelligent, et il y a d'autres esprits, évidemment. Donc, ces deux thèses. Alors, est-ce qu'on peut départager deux thèses ? Voilà, ça c'est la question. Est-ce qu'on peut départager les thèses ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'une des deux thèses, la thèse de l'inexistence de Dieu, a ce qu'on appelle des implications. Voilà. Ce qui est très intéressant quand une thèse a des implications, c'est de savoir si ces implications sont comparables à ce qu'on peut observer dans le réel. Et c'est le cas. La thèse de l'inexistence de Dieu, elle a des implications. Alors, voilà, je crois qu'on a affiché en haut la thèse des implications, et il faut la regarder. Donc moi, je ne la vois pas ici, en fait, de là, si tu peux peut-être juste m'ouvrir peut-être le livre. Où elle est là ? Je te le mets en plus grand. Voilà, voilà, très bien. Voilà. Donc, la première des implications de l'inexistence de Dieu, c'est que l'univers ne peut pas avoir de début ex nihilo. Pour deux raisons. Une première raison philosophique, c'est que du néant, rien ne peut sortir. Tous les philosophes sont d'accord sur cette question-là. Mais aussi une raison scientifique, qui est la conservation du total de l'énergie et de la matière. Rien ne se crée, rien ne se perd. Nous savons que le total de l'énergie et de la matière dans l'univers sont constants. Or, si l'univers sortait du néant complet, eh bien, il y aurait une violation de cette loi scientifique. Donc, l'univers ne peut pas sortir du néant. Donc, s'il a un vrai début et un vrai commencement, on voit que c'est une implication qui nie la thèse de l'inexistence de Dieu. Et si la thèse de l'inexistence de Dieu est fausse, quasi automatiquement, la thèse de l'existence de Dieu est vraie. Mais il y a d'autres implications, on va les regarder. Donc les autres implications, c'est il ne peut pas avoir une fin de mort thermique, on va l'expliquer. Les lois déterministes de l'univers ne peuvent pas être improbables, elles doivent être naturelles et normales.
Et puis, il y a d'autres implications dont on ne parlera pas ce soir, mais il y en a quelques-unes qui sont évidentes. Par exemple, il ne peut pas y avoir de miracle. Voilà. Alors, ce sont ces implications, en fait, que les grandes découvertes du XXe siècle sont venues enrichir et permettre de discuter dans le débat. Et donc, voilà le sujet de notre conférence et de notre débat qui est ouvert. Et donc, je repasse la parole à Igor et Grishka qui vont nous renvoyer maintenant vers un nouveau sujet. Oui, comme vous venez de le constater, nous avons une approche dans ce livre qui est éminemment rationnelle. C'est-à-dire que c'est la raison qui permet d'ouvrir un chemin vers le mystère, celui qu'on appelle le mystère suprême. Et toujours dans cet esprit de raison, dans cette quête rationnelle, s'emboîte de manière tout à fait naturelle le parcours, la pensée, la diligence, l'habileté, le talent de Olivier Bonassis et aussi sa formation, comme je l'ai dit, puisque c'est un esprit critique qui, formé par l'École polytechnique, sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et comment distinguer l'un de l'autre. Et je vais poser maintenant la question qui a été effleurée tout à l'heure par l'excellente introduction de Michel Yves. Vous pouvez effectivement constater que Michel Yves pourrait avoir dicté son livre comme ça, sans avoir eu à l'écrire, tellement c'est bien conçu, et tellement les phrases s'enchaînent avec logique les unes aux autres, avec simplicité. J'insiste avant de passer la parole à Olivier, c'est que ce livre est essentiellement, fondamentalement simple. Ceux qui lisent par image auront peut-être vu de la part de Igor et Grishka, donc tous les deux, un article que nous avons consacré dans le numéro de cette semaine de Paris Match, et nous insistons, ça a même été pris par la rédaction en exergue, sur la simplicité réelle, l'accessibilité totale de ce livre. Ça ne le prive jamais d'être fondamental. Et réussir le fondamental et la simplicité, c'est le rêve de certains grands philosophes. Je mettrai Pascal en premier. Mais nous avons ici un exemple très brillant d'un livre qui est immédiatement accessible et immédiatement donc lisible. Et quand on l'a, je l'ai déjà dit une fois en séance publique, quand on le prend, il ne vous lâche pas, car ce livre ne vous lâchera jamais. Vous ne le lâcherez donc jamais. Olivier, tu dois nous parler maintenant de ce que l'on appelle les preuves. Les oui. Preuves qui sont portées par ce titre et sur lesquelles je voudrais que tu développes ce qui te paraît important. Absolument. Et ce qu'on doit retenir. On va en parler avec Yves, on va détailler assez précisément les 5 preuves qu'on met en exergue dans ce livre, dans sa partie scientifique. Mais juste avant ça, d'abord je voulais vous remercier tous d'être là, parce que pour nous cette soirée est très importante, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a fait un livre, effectivement on est très content qu'il se vende bien, et notre éditeur qui est là, Guy Trédaniel, on le remercie très fort parce qu'il avait cru à ce livre. Il en a imprimé 50 000 exemplaires et puis là, il a été obligé d'en réimprimer 80 000 exemplaires d'urgence parce que les 50 000 commençaient à être épuisés. Voilà. Donc bravo pour cette confiance. Alors évidemment, donc on est très content que des livres se vendent, mais il y a une deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est que cette question soit mise en débat dans le public et qu'elle permettre des échanges avec tout le monde, parce que nous, comme disait Grishka, on pense effectivement qu'il y a des choses assez simples aujourd'hui à la portée de tout le monde qui permettent de se faire une idée précise sur cette question qui n'est pas du tout indéterminée. Enfin, c'est notre point de vue et j'espère que vous le partagerez après avoir lu ce livre. Donc cette soirée, elle a pour but de lancer un débat, d'abord avec vous et ensuite qu'il y ait d'autres débats dans les semaines et mois qui viennent à travers le pays. On espère ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que plus de la moitié de cette soirée sera réservée à un échange de questions-réponses avec vous. Et donc, c'est le début de ce grand débat qu'on espère faire grossir en France. Alors, comment se pose la question? En fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de science, essentiellement de science? Je vais vous le dire en deux mots, parce que, si vous regardez le schéma qui va s'afficher là-haut, vous voyez, pendant des siècles, dans le passé, sur tous les continents, dans tous les pays, tous les hommes ont toujours cru en Dieu.
Pourquoi est-ce qu'ils ont cru en Dieu? Parce qu'il y avait des tas de raisons. Et ça ne faisait pas tellement de doute quand on voit l'univers pour eux, pour les gens. On se dit, forcément, il y a un créateur. Il y a toute une série de raisonnements, on y reviendra. Mais voilà, c'était partagé par tout le monde. Et puis, ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu la science qui s'est mise à contester, c'était pas volontaire, mais elle est apparue comme un discours alternatif qui proposait une explication du monde en dehors de Dieu. Donc de Copernic à Freud, en passant par Galilée, Laplace, Darwin, à chaque fois que la science avançait, on avait l'impression que la religion était sur la défensive. Et le résumé de tout ça, c'est un peu ce que dit Laplace à Napoléon, quand Napoléon écoute Laplace lui expliquant son modèle. Et Napoléon dit « Et Dieu dans tout ça ?» Et il lui répond « Sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » Donc toute cette période-là, c'était un petit peu l'idée que la science n'avait plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Et puis, ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a un changement à partir à partir du début du XXe siècle, avec la thermodynamique, la mécanique quantique, la relativité, la naissance de la cosmologie, le Big Bang, la biologie, le réglage fin de l'univers, toute une série de découvertes qui vont dans un autre sens et qui, en deux mots, disent qu'il y a un début absolu au temps, à l'espace et à la matière. Si vous avez un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire que ce qui a fait émerger tout ça, c'est une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle. Et là, on est déjà très, très proche de la définition de Dieu dans les philosophies ou les religions. Et puis, il y a un réglage absolument fou des données initiales de l'univers et des constantes de la physique et de la biologie, des lois de la physique et de la biologie, pour que les atomes puissent être stables, pour que les étoiles puissent brûler 10 milliards d'années et pour que la vie complexe puisse arriver. Voilà, ça c'est un peu le résumé. Donc c'est une troisième phase, et selon nous, on le croit, ça va déboucher, c'est une sorte de révolution conceptuelle qui va déboucher inévitablement sur une phase 4 qui sera que le grand public va se rendre compte des implications de tout ça. Alors, et le résumé de la chose, c'est que c'est un peu l'adage, vous savez, un peu de science éloigne de Dieu et beaucoup y ramènent. C'est un peu, à mon avis, ce qu'on est en train de vivre. Et on va vous le décrire donc avec Yves un peu en détail. Voilà. Alors, normalement, ce n'est pas ça qui est là. Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà, alors c'est ça. Alors, la thermodynamique est le premier sujet dont on va vous parler. Alors, la thermodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est un mot un peu compliqué. Au départ, c'est Carnot, qui est un jeune de 27 ans, qui publie un ouvrage sur les machines thermiques. Et puis, il meurt à 36 ans, mais son travail est fondateur d'une nouvelle discipline qui est reprise quelques années après par Clausius, qui postule le second principe de la thermodynamique, c'est-à-dire l'entropie croissante d'un système fermé. Alors, c'est une loi statistique, parce que ce n'est pas une loi absolue, mais la statistique est appuyée sur le nombre de molécules qui existent, donc ça veut dire qu'elle est toujours vérifiée en pratique. Et alors, Boltzmann, qui constate que ce principe est fort, il va en tirer des équations et il comprend en fait que la dégradation de l'ordre dans le système fait que forcément l'univers a eu un début et forcément il était à l'origine très bien ordonné. Et cette constatation que Boltzmann fait vers les années 1900, elle est absolument révolutionnaire, elle est vraiment, c'est quelque chose de très fort, et tout le monde lui tombe dessus en lui disant c'est pas possible, cette idée est complètement folle. À la fin, il va se suicider en 1906, pas seulement pour ça, mais en partie pour ça quand même. Et donc le drame de Boltzmann, c'est d'avoir vu trop tôt deux choses très importantes, c'est qu'au début de l'univers, tout était ordonné, et l'univers a eu un début. Oui, en effet, il y a eu les travaux de Clausius et Boltzmann. Clausius, il a effectivement dit qu'une fonction qui s'appelle l'entropie pour un système isolé est croissante. C'est très simple. Vous prenez un bocal dans lequel d'un côté il y a un gaz, de l'autre côté du vide. Vous cassez la cloison, le gaz rentre dans le vide. Ça s'uniformise. Et vous ne verrez jamais la situation inverse, de la même façon qu'on n'imagine pas que la moitié de la salle se vide de son air qui irait se rassembler à gauche. Ça serait d'ailleurs assez gênant. Donc ça, c'est l'évolution irréversible des phénomènes. Il en tire un principe qui nous dit que, en l'appliquant à l'univers dans son entier, que l'entropie du monde, c'est son expression exacte, tend vers un maximum. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Qu'est-ce que c'est que la mort thermique de l'univers? C'est que les différences s'estompent.
quand, dans l'exemple qu'on vient de prendre, il y avait une pression d'un côté, une pression nulle de l'autre, et à l'équilibre, c'est la même pression des deux côtés. Qu'est-ce que ça va être que la mort thermique de l'univers? Eh bien, c'est que dans l'univers, il n'y aura plus que ce qu'on appelle une soupe de particules, à température uniforme, à pression uniforme. Les étoiles, on le sait maintenant, auront disparu, auront explosé. Les trous noirs se seront évaporés. Et finalement, il n'y aura plus que cette uniformité dans l'univers, on n'a pas très envie d'y habiter, dans lequel on ne pourra plus rien sortir, c'est-à-dire que toutes les ressources auront été épuisées. C'est ça la mort thermique de l'univers. Que s'est-il passé à ce moment-là? Effectivement, une contestation d'ampleur jusqu'au début du XXe siècle. Clausius, c'est 1860. Au début du XXe siècle, il y a encore un naturaliste allemand et d'autres, Haeckel, un chimiste danois, Clausius, qui explique que ce principe est nécessairement faux, disent-ils, Arrhenius, parce que si on va vers la mort thermique de l'univers, comme l'univers, c'est un présupposé, existe depuis un temps infini, cette mort thermique aurait déjà dû se produire. Et Arrhenius conclut, donc ce principe est faux. Or, aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, il est enseigné dans toutes les universités du monde, il est reconnu comme juste. Autrement dit, on en déduit que le présupposé d'Arrhenius, qui était de dire « l'univers existe depuis un temps infini », eh bien, ce présupposé est donc faux d'après Arrhenius lui-même. Et ça, c'est une grande victoire posthume de Clausius. Alors, ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Tout simplement parce que, dans le passé, toutes les visions athées du monde, sans aucune exception, de Parménide, Démocrite, Lucrèce, jusqu'à Marx, Lénine, Engels, Hitler et Mao, en passant par tous les autres au XIXe siècle, toutes ces visions-là pensaient que l'univers était éternel dans le passé, le temps était infini dans le passé, que la matière avait toujours existé, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très très important parce que ça, aujourd'hui, c'est plus possible de penser ça. On va le démontrer de différentes manières, mais le premier qui le voit, encore une fois, c'est Boltzmann. Et en concluant ça, il prend, comme le dit Yves, à rebrousse-poil tous les athées de l'époque qui lui tombent dessus. Et c'est tellement révolutionnaire que cette découverte, qui n'est pas tellement contestée sur le moment, en fait, elle n'impacte personne parce qu'on se dit ça va trop loin et c'est pas possible. Voilà. Et donc, il faut attendre un deuxième saut, qui est celui d'Einstein, qui... Donc, développe la relativité restreinte, puis la relativité générale, et qui nous explique, alors Einstein, et Yves vous le simplifiera peut-être, mais en deux mots, les équations d'Einstein, c'est compliqué, les solutions des équations, c'est encore plus compliqué, mais le principe de la relativité, c'est pas très compliqué, c'est que le temps, l'espace et la matière sont liés, vous pouvez pas avoir l'un sans les deux autres, et ils s'impactent mutuellement. Oui, alors cette image... avec la surface qui est déformée illustre l'idée. L'idée, c'est que l'espace, en vérité l'espace-temps, est courbé par les masses, par la gravitation. Alors c'est une idée révolutionnaire. Cette relativité générale, c'est l'œuvre propre d'Einstein. Il l'a établie tout seul, aidé par quelques mathématiciens. Il a travaillé pendant 3 ou 4 ans. Et on peut se demander, si Einstein n'aurait pas été là, est-ce que cette théorie serait sortie? C'est pas sûr. C'est vraiment quelque chose d'unique, avec effectivement des équations un petit peu compliquées. Ce qui est important, c'est que la structure de l'espace, qui est donnée par sa géométrie, dépend des masses. Et donc, s'il n'y a pas de matière, eh ben, il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc l'espace et le temps sont en effet consubstantiels à la matière. Alors cette théorie, au début, les gens se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» Les équations sont un petit peu compliquées à résoudre, en effet. Et elle a des implications astronomiques qui ont été vérifiées très vite avec des mesures. Par exemple, un rayon lumineux qui arrive de loin, eh bien, quand il va voir le trou, il va plonger dans le trou et donc il va se courber. Eh bien, ceci a été vérifié en 1921 par une expédition qui s'est rendue en Amazonie lors d'une éclipse solaire pour qu'on constate que les rayons qui passaient de façon rasante au-dessus du soleil étaient effectivement déviés. L'angle a été mesuré, il est très petit, je crois que c'est 1,27 secondes d'arc. Il était prévu par la théorie, c'est celui qu'on a mesuré. Alors là, tout le monde s'est dit, cette théorie doit être juste.
Ensuite, ce qui est nouveau sur cette théorie, c'est qu'elle donne lieu à une cosmologie. Et ça, c'est évidemment extraordinaire. C'est-à-dire que les équations d'Einstein permettent de trouver à grande échelle l'évolution de l'univers lui-même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'univers est vu comme un objet de réflexion et un objet physique. Dans toute la physique classique, l'univers, c'est un contenant, un cycle-temps, qui sont donnés a priori et dans lequel on travaille. Il y a un espace, un temps, et on travaille dedans. Maintenant, l'espace et le temps sont des entités physiques, et on peut déterminer leur évolution. Ça, ça donne lieu à des équations cosmologiques. Et ce qui est remarquable, c'est que ces équations ont pu être résolues, d'abord par Friedman, ensuite par Lemaître, qui était un ecclésiastique belge, en 1927, et que cette solution a donné lieu à montrer que l'univers ne pouvait pas être dans un état stationnaire, c'est-à-dire toujours dans le même état. Toute la philosophie classique et toute la science classique prenaient comme postulat que l'univers avait toujours été là et qu'il était toujours dans le même état. Eh bien, la solution, donc on voit Lemaître, Lemaître et Friedman, la solution de ces équations montre que ce n'est strictement pas possible. Autrement dit, l'univers est nécessairement en évolution. Et on se dit que s'il est nécessairement en évolution, il y a un début. L'abbé Lemaître sort une solution dite du noyau primitif d'un univers de forme sphérique. Alors c'est un peu compliqué à imaginer parce que c'est un espace courbe à trois dimensions. Et il y a l'équivalent d'un rayon, en quelque sorte, qui augmente sans cesse et qui part d'une valeur nulle. Il part d'une valeur nulle à un instant initial. Et cet instant initial, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le début de l'univers. Et puis, cette croissance de ce rayon, ça donne lieu à ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Alors, on peut se faire une idée à deux dimensions. Vous prenez un ballon baudruche que vous gonflez. Il faut que vous imaginiez que vous ne connaissez pas la troisième dimension. Donc vous vous transformez en araignée toute plate qui rampe sur le ballon baudruche. Vous êtes sur un espace courbe à deux dimensions. Vous voyez vos congénères qui sont répartis sur cette surface. Et si le ballon enfle, eh bien vous voyez que vos congénères s'éloignent de vous. C'est l'expansion de l'univers. Et vous vous dites que s'il enfle, c'est qu'à un moment, il a commencé avec un rayon nul. Et c'était le début de toute l'aventure. Voilà ce qui sort des équations de la relativité résolues par Friedman et Lemaître. Alors évidemment, quand ça s'est rendu public, les gens se disent, c'est de la spéculation intellectuelle, est-ce qu'il y a un élément de réalité derrière tout ça? Est-ce que ce n'est pas uniquement des solutions mathématiques? Eh bien, l'avenir va montrer qu'il n'en est rien. Oui, effectivement, quand vous avez donc Einstein qui, en 1905 et 1915, publie ses théories, en 1919, Eddington constate que l'observation colle avec la théorie, et en 1920, Einstein a le prix Nobel, il devient très célèbre, bien sûr, pour une telle révolution conceptuelle, mais effectivement, quand l'abbé Lemaître, ou avant Friedman, 5 ans avant, postule l'idée de l'expansion de l'univers, et donc, d'un début, Einstein résiste et dit « c'est pas possible, ça ressemble trop à une création biblique ». Et vraiment, cet obstacle mental restera longtemps, même si l'expansion de l'univers est prouvée, avec les observations de Hubble après. Voilà, on a une situation dans laquelle les gens comprennent qu'il y a une expansion à un instant, mais ils ne veulent pas entendre parler du début parce que ça heurte trop leurs présupposés philosophiques. Juste faire une petite halte sur ce sujet, qui est très important. Il est très important et on a même du mal à imaginer qu'il y a 13 milliards et 820 millions d'années, donc c'est très loin dans le passé, je fais une parenthèse, mais quand on parle de milliards, c'est quelque chose d'abstrait. Si par exemple, je vous demandais maintenant de compter jusqu'à 1 milliard, à votre avis, combien de temps faudrait-il? Et combien de temps resterions-nous ensemble dans cette salle? Je vous donne la réponse, à peu près 80 ans. Vous voyez que quand on parle de milliards d'années, c'est beaucoup. Alors, les mathématiques simplifient beaucoup les choses, puisque
13 milliards 820 millions d'années, ça correspond à seulement 10 puissance 17 secondes. 10 puissance 17. Et on sait qu'évidemment, on va beaucoup plus loin dans les puissances lorsqu'on manipule ce genre d'objets mathématiques. Mais, je vous disais tout à l'heure que c'est tellement difficile de se représenter que l'univers a eu un début. Et comment était-il à cette époque-là? Comment était-il? Il faut que vous acceptiez, et c'est difficile à accepter, qu'à un moment dans la vie de cet univers, il y a 13 milliards 820 millions d'années, eh bien, il n'était pas plus grand que ce théâtre. Il avait trois dimensions, certes, mais c'était ça. C'était comme une espèce de bulle toute petite, mais c'est encore très grand par rapport à ce qu'il était beaucoup plus tôt. Quand on arrive à ce qu'on appelle la longueur de Planck, c'est-à-dire la limite de divisibilité de la matière et du rayonnement, eh bien, cet univers, il était 1 milliard de milliards de fois plus petit que le noyau d'atomes d'hydrogène. C'est-à-dire, c'était une toute petite, petite, petite particule élémentaire. C'est incroyable, et c'est vrai. Et l'univers tout entier, et pas un scientifique aujourd'hui ne conteste cela, est issu de cette petite particule. Et je termine en disant que ce n'est pas un rêve de physicien. Ce n'est pas une théorie parmi d'autres. Non, la théorie du Big Bang aujourd'hui repose sur trois piliers. L'un d'eux a été cité par nos amis. Premier, c'est donc la découverte de l'expansion en 1929, l'expansion de l'univers. L'expansion, c'est-à-dire la fuite des galaxies les unes par rapport aux autres. Ça n'a pas été tout de suite interprété comme ça, mais très vite, on a compris que c'était ça. C'est-à-dire que c'est l'espace lui-même qui se dilate. Donc, c'est l'expansion de l'espace-temps. Le deuxième pilier, c'est l'écho du Big Bang. Je fais ici une petite référence au préfacier de cet ouvrage. Il s'appelle Robert Wilson, prix Nobel 1978, pour avoir découvert, avait été le premier avec son camarade Arnaud Penzias, en 1964, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils découvrent avec une gigantesque antenne astronomique qui se trouve quelque part dans le New Jersey. Ils entendent pour la première fois l'écho du Big Bang, c'est-à-dire l'écho de cette immense explosion qui s'est produite il y a 13 milliards 820 millions d'années. Ils l'entendent. Et ça, c'est le second pilier du Big Bang. Et le troisième pilier, on l'observe aujourd'hui, c'est grâce à des satellites astronomiques, des satellites qui nous permettent de photographier à quoi ressemblait l'univers il y a très, 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 très longtemps, en l'an 380 000, lorsqu'il était 1000 fois plus chaud et 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. On a la preuve qu'il a commencé, la preuve qu'il y a eu un commencement. Et cela, évidemment, comme ce n'est plus contesté aujourd'hui par personne, eh bien, ça nous incite à nous demander d'où vient ce commencement, enfin, d'où vient cette explosion initiale, comment l'expliquer? Alors, je me retourne évidemment vers ceux qui ont cherché cette explication, et en particulier, bien sûr, Olivier et Michel Yves. Alors, effectivement, donc, cette théorie est extrêmement surprenante pour tout le monde. Personne n'arrive à accepter cette idée qu'à un moment, l'univers aurait été 10 milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. C'est très curieux. Mais la théorie d'Einstein, les équations d'Einstein, développées d'abord par Friedman, par Lemaître, puis par Gamow et ses amis, aboutissent à une théorisation d'un rayonnement de fond cosmologique qui finalement est observé dans les années 60, comme vient de dire Grishka. Il y a une deuxième chose qui est observée dans les années 60, c'est que selon cette théorie, dans les trois premières minutes de l'univers, vous avez création des noyaux d'hydrogène et d'un peu d'hélium, et donc 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, et des traces de deutérium, de lithium et de béryllium. Ça, c'est ce que disait la théorie. Et en fait, dans les années 60, quand on observe les premières étoiles, on trouve exactement cette composition, donc ce qu'on appelle les abondances, correspondent. Et donc, ces deux faits-là, le rayonnement de fond et les abondances, font que tout le monde accepte la théorie du Big Bang. Et ça, c'est un choc très important parce que, effectivement, dans le passé, quand on avait évoqué ça, il y avait eu des persécutions. Le livre en parle un petit peu, c'est un chapitre important et original qui a été d'ailleurs beaucoup travaillé par Igor et Grishka. C'est le chapitre où ils nous ont le plus aidés. Ça raconte comment les grands savants russes qui ont découvert tout ça, c'est-à-dire Friedman, Gamow et tous leurs amis, ont été persécutés, ont été torturés, mis au goulag, fusillés. Enfin, c'est assez étonnant. Pourquoi ? Parce que c'est impossible pour les régimes athées d'accepter ça.
Voilà. Donc là, on a un premier point très important qui dit que le début de l'univers, c'est une certitude. Alors, les gens vont, quand on parle du Big Bang, on va vous dire c'est pas forcément le début de l'univers, parce qu'il y a pu avoir d'autres singularités. Ce qu'on appelle une singularité, c'est un moment où toutes les équations viennent à l'infini, parce qu'on est sur un point trop petit pour qu'on puisse rentrer dans nos équations actuelles. Je ne sais pas s'il marche celui-là. Oui, je le prends. Je dirais juste un mot sur ce tableau de tous ces gens qui est très, très, très impressionnant, parce que c'est des gens qui étaient tout à fait étrangers à la politique. C'était uniquement des savants, des mathématiciens, des physiciens qui étaient tous extrêmement brillants. Donc il y en a un grand nombre qui ont été tués, d'autres qui ont été déportés dans des camps d'ailleurs où ils sont morts, et puis les plus chanceux ont réussi à s'enfuir. C'est intéressant de façon indirecte, parce que si ce qu'ils avaient découvert ne prouvait rien, on les aurait laissés tranquilles. Voilà. Donc ça, c'est une preuve indirecte, c'est-à-dire que si ça ne prouvait pas, le fait qu'il y ait un début à l'univers ne prouvait pas quelque chose par rapport à l'existence d'un dieu créateur, on les aurait laissés tranquilles. Les régimes, aussi bien de Hitler que de Staline, avaient très très bien compris que ces théories-là étaient totalement incompatibles avec les théories marxistes et national-socialistes. Donc il y a eu des persécutions qui ont été dans les deux pays à peu près égales et qui ont duré tout le temps jusqu'au bout. C'est une parenthèse. Oui, oui, bien sûr. Je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique, parce que c'est la preuve absolument définitive. Il faut savoir qu'avant 1964, il y avait une polémique très forte qui enflait chez les physiciens. Les noms d'oiseaux fusaient. On disait bah, c'est de la physique de curé, c'est l'Église catholique qui est derrière, qui veut imposer son idée de création. Tout cela, ça n'a aucun sens et il n'y a pas de preuve. Quand Penzance et Wilson ont trouvé ce rayonnement, alors là, tout le monde s'est rangé à cette idée qu'effectivement, il y avait eu ce Big Bang. Ce rayonnement, c'est un rayonnement micro-ondes. Et ils l'ont observé avec une antenne qui coûtait une petite fortune, une antenne de radioastronomie. Ils ont fait l'analyse spectrale du rayonnement et ils ont vu que ça correspondait très exactement à ce qu'avait prévu Gamow quand il a pris les équations d'expansion de l'univers, qu'il a fait un modèle en quelque sorte de début de l'univers. Il avait prévu un rayonnement qui correspond à une température d'équilibre de 2,7 Kelvin. Penzance et Wilson mesurent, ils trouvent 3 Kelvin. Alors là, tout le monde s'est dit, c'est juste. Il y a quelque chose de vrai derrière. Ensuite, ça, c'est une image, parce qu'on se demande un peu ce que c'est passé aux informations. On nous dit, l'univers a été photographié à son début. On se dit, ah, de quoi s'agit-il ? Effectivement, une sonde américaine, c'était le programme COBE, je crois, qui a coûté quelques centaines de millions de dollars, a été lancée. Ça a été étudié par un physicien qui s'appelle George Smoot, et il a simplement regardé les points jaunes, rouges et bleus, ce sont les petites variations infimes par rapport au fond de rayonnement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la température est un tout petit peu plus élevée et d'autres où elle est un tout petit peu plus faible. Et ça, c'est l'amorce de la création des galaxies. S'il y avait eu uniformité, l'ensemble du monde serait resté comme ça. On ne serait pas là. Il fallait qu'il y ait une uniformité. Et les astrophysiciens avaient prévu, en quelque sorte, la structure qu'on voit là. Et la structure a été détaillée par George Smoot, et c'est exactement ce qu'avaient prévu les astrophysiciens. Ça montre que dès le début de l'univers, eh bien, en germe, en quelque sorte, il y avait tout son développement à venir. Ça a valu le prix Nobel de physique à George Smoot, qui a déclaré cette phrase extraordinaire, ça a donné le titre d'un de vos livres, « J'ai vu le visage de Dieu ». Il voulait dire par là qu'il a vu la création. Je voudrais juste terminer sur ce rayonnement. Vous ne vous en rendez pas compte, il est tout autour de nous. Nous sommes baignés dans le rayonnement de fond cosmologique. Quand on y réfléchit, c'est assez émouvant. On aurait un détecteur, là, on verrait la trace du Big Bang, autrement dit, la trace du début de l'univers. Avec des photons qui n'ont pas vieilli, parce qu'à la vitesse de la lumière, ils se déplacent sans vieillir. Très intéressant, parce que cette image, elle nous parle non seulement du Big Bang, qui est le premier point qui va consolider l'idée d'un début, mais aussi elle nous parle du réglage fin, qui va être le deuxième point qu'on va développer, parce qu'effectivement, si les anisotropies qui sont sur cette image n'étaient pas de 1/10 millième, eh bien, on ne serait pas là pour en parler. Donc, quand les savants voient ça, ils se posent des questions. C'est 10 puissance moins 5, les différences de température très, très minimes de cette image. Alors,
On a donc un premier point qui est, on va parler de deux points, donc le début de l'univers, il est établi par la thermodynamique, par l'exemple, le Big Bang nous fait penser à ça, mais la cosmologie a creusé derrière et elle a établi que s'il y avait eu avant le Big Bang d'autres Big Bang, il ne pourrait pas y en avoir en nombre infini, donc il y a forcément un début au temps, à l'espace et à la matière. C'est un acquis énorme, c'est une révolution conceptuelle fantastique dont on n'a pas pris la mesure. Voilà, premier point. Ah oui, après, il y a le fait qu'il n'y a pas de... C'est le théorème de, qui conclut ça, de Bord, Guth et Vilenkin, il date de 2003 simplement, donc c'est quelque chose qui est très récent. Oui, absolument. Deuxième point très important, c'est le réglage fin de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par le réglage fin ? Dans les années 60, Robert Dicke, toujours à partir des mêmes équations, calcule que si un instant après le Big Bang, la vitesse d'expansion était changée du 15e chiffre après la virgule dans un sens ou dans l'autre, on ne serait pas là pour en parler. Alors il tombe de sa chaise, il dit « Mais comment c'est possible que ce réglage soit si fin ?» Et puis, dans les années qui suivent, les scientifiques vont trouver des tas d'autres réglages. Il y a un livre qui sort en 1988 de Barrow et Tipler qui en dénombre 200. Mais il y en a qui sont complètement incroyables. Si vous prenez, ce qu'on comprend bien, c'est la constante de gravité. La constante de gravité, donc c'est régi par une constante qui vaut 6,67430. Si c'était 431 ou 429, les étoiles, au lieu de brûler 10 milliards d'années, elles brûleraient beaucoup moins et la vie serait impossible. Et des constatations comme ça, les scientifiques en font à l'appel et ils se disent, mais qu'est-ce que sont ces réglages ? Et on arrive à cette idée qu'il y a une trentaine de nombres qui structurent l'univers dans ses lois physiques. Pour l'instant, on parle que de la physique. Et que si elles n'étaient pas réglées très précisément, et certaines jusqu'à la 120e décimale, on ne serait pas là pour en parler. Oui, alors effectivement, il y a une première chose, c'est qu'il y a très peu de constantes physiques qui règlent l'ensemble de la physique. C'est déjà assez extraordinaire. Finalement, le nombre d'équations de la physique est relativement limité en électromagnétisme. Il y en a 4, en mécanique quantique, il y en a 2-3. Il y en a très peu, alors que la diversité du monde autour de nous est absolument phénoménale. Derrière ces équations, il y a un nombre très limité, moins de 10, de constantes physiques. Effectivement, constantes de gravitation, les constantes qui règlent l'électromagnétisme, la mécanique quantique, l'interaction des particules dans les noyaux, par exemple. Eh bien, si on les modifie, nous ne serions pas là pour en parler. Par exemple, au tout début de l'univers, qu'est-ce qu'il y a en fait ? Il y a du rayonnement. Tiens, c'est la lumière. C'est presque le premier verset de la Genèse. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Au tout début de l'univers, c'est l'énergie et la lumière. Ensuite, l'univers rentre en expansion. Et à ce moment-là, les particules sortent du vide, en vérité. Parce que le vide, c'est un état physique dans lequel il y a en vérité plein de choses. Et les particules et leurs antiparticules sortent du vide. Particules élémentaires, les quarks, les électrons, par exemple. Les quarks, ensuite, vont pouvoir s'associer en protons-neutrons. Les protons-neutrons vont pouvoir s'associer en noyaux. Les noyaux et les électrons vont s'associer en atomes. Mais en fait, tout cela se joue sur le fil du rasoir. Vous modifiez effectivement un tant soit peu les constantes, et ça fait flop dès le départ. Soit les particules n'ont pas le temps d'arriver. Ou les neutrons qui ont été produits, on l'a mis dans le livre, les neutrons qui ont été produits disparaissent. On calcule qu'il est resté, grosso modo, un neutron, 4 neutrons sur 1 milliard. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que s'il y avait un cataclysme sur Terre et qu'il ne reste que 30 personnes, effectivement, ça serait quand même assez grave. Eh bien, tout se joue comme ça sur le fil du rasoir. Et donc, on se dit, si le réglage avait été un tout petit peu différent, il n'y aurait pas eu de neutrons, il n'y aurait pas eu de noyau, on aurait eu que l'atome d'hydrogène et on ne serait pas là pour en parler. Donc, on est stupéfait par ce réglage qu'on appelle le réglage fin. Et je crois que là, on peut parler un petit peu de notre méthode, comme on le disait tout à l'heure. Soit on est athée et on se dit, il y a un certain nombre de physiciens qui se disent, mais d'où sort ce réglage ? C'est un grand mystère de la physique actuelle. Ou alors on est croyant, et à ce moment-là, tout s'éclaire. On se dit, évidemment, l'univers a été créé par un Dieu créateur, par une puissance infinie de pensée. Et donc, dans cette création, le reflet, c'est évidemment ce qui nous apparaît comme un temps, un réglage très fin de ces constantes qui ont permis à l'univers de donner naissance au projet du créateur. Si vous voulez juste donner ici un prolongement à ce qui vient d'être dit, avec un exemple tout simple que vous allez évidemment comprendre immédiatement. Vous voyez ici, dans cette bouteille, il y a de l'eau. Vous connaissez tous, bien sûr, la formule de l'eau. Vous savez que
Si je vous la demande, vous allez la dire. Hein? Voilà, exactement. Alors, H2O, alors O, c'est l'oxygène, et H, c'est l'hydrogène. Alors, vous savez que l'hydrogène, c'est le corps le plus simple, c'est l'atome le plus simple. C'est juste un proton, ce qu'on appelle un noyau, et puis un électron qui tourne autour. Yves a décrit ce paysage où ça se complexifie. Mais là, nous sommes dans quelque chose de très simple. Ce qu'il faut savoir à propos du réglage fin, c'est que tous les noyaux d'atomes d'hydrogène qui ont été formés juste après le Big Bang l'ont été, et ils sont là, dans cette bouteille, ils ont été formés dans les trois premières minutes de la vie de l'univers. Les trois premières minutes de la vie de l'univers, un livre célèbre d'ailleurs qui s'appelle « Les trois premières minutes » de Weinberg, prix Nobel. 3 minutes, c'est-à-dire 180 secondes, pour fabriquer très exactement 98% de la masse baryonique, la masse connue de l'univers. Mais quel réglage ! C'est stupéfiant de penser que, en 3 minutes à peine après le Big Bang, 98% de la matière a été formée. 98%. Donc réfléchissez lorsque vous avalerez un verre d'eau ou de vin. Mais commençons par l'eau. Lorsque vous avalerez un verre d'eau, n'oubliez jamais que vous avalez une relique cosmologique qui nous parle du début des temps. Du tout début des temps. Au moment où l'univers apparaît, il y a 13 milliards et 820 millions d'années. Et le réglage, le fantastique, l'éblouissant réglage qu'il a fallu, pensez-y. Absolument. À chaque fois. C'est pas celui-là qui marche ? C'est celui-là ? Allô ? Allô ? Voilà. Bon. Vous ne boirez plus de l'eau de la même manière après cette soirée. Bon, voilà, on ne va pas s'étaler sur le principe anthropique, mais si vous allez page 193 du livre, vous verrez que des grands cosmologistes athées, quand ils décrivent la constante cosmologique et son réglage, ils parlent tous de miracles, spontanément. C'est les mots qui viennent dans leur bouche. Voilà. Alors, pour continuer donc sur ces réglages, on essaie d'illustrer, et si vous voulez, vous avez une trentaine de constantes, c'est un peu comme si vous voulez faire décoller un avion, et qu'il faut absolument que vous régliez chacun des cadrans exactement sur la bonne valeur, des fois avec une précision colossale, et si vous ne faites pas ça, l'avion ne décolle pas. L'univers ne décolle pas, l'univers ne marche pas, ne conduit pas à la vie si tous ces paramètres ne sont pas parfaitement réglés. Cette question, on va y revenir sans doute dans les questions-réponses, mais elle est folle et très important. Il y a 100 ans, personne ne savait ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il n'y a pas de débat. Les gens constatent ces choses-là. Juste dire un mot peut-être sur les alternatives, parce que les gens se posent sûrement la question. Qu'est-ce que disent les matérialistes de ça ? Parce que la situation, c'est que tout le monde reconnaît que tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire aussi bien la thermodynamique, le Big Bang, donc le début et la fin de cet univers, et puis ces réglages extraordinaires. Donc le seul joker, en fait, qui reste, la seule carte que peuvent garder ceux qui veulent prendre l'hypothèse matérialiste, c'est qu'il y a des milliards de milliards d'univers et que la plupart ont échoué et qu'après des milliards de milliards d'univers, nous, on est dans le bon univers. Voilà, c'est la seule possibilité. C'est-à-dire que ce qui est important de retenir, c'est que tous les scientifiques, qu'ils soient croyants ou incroyants, reconnaissent tous que les réglages de l'univers, de notre univers, sont absolument extraordinaires et hautement improbables. Sachant que même dans l'hypothèse que beaucoup de scientifiques ont appelée désespérée de ces multivers, ça ne résout pas du tout le problème du début. Alors, on va venir maintenant à un autre point qui est la biologie. Alors la biologie, c'est très important. Moi, c'est un des chapitres qui m'a le plus impressionné en le travaillant. En fait, il faut savoir que des bactéries à l'homme, en passant par tous les animaux et toutes les plantes, tout ce qui vit sur la Terre est constitué de cellules. Donc le premier vivant, c'est un être unicellulaire, et puis tout le reste, c'est de l'inerte. Alors comment on passe de l'inerte au vivant ? C'est très compliqué, parce que toutes ces cellules sont codées par l'ADN,
il y a le ribosome et il y a au minimum 200 types de protéines différentes. Pour avoir tout ça au même endroit, c'est extrêmement compliqué et tout le monde est stupéfait en se demandant, personne n'a la clé aujourd'hui. Et donc, il y a certainement eu des réglages absolument fous, encore plus fous que ceux de la physique, pour arriver à la vie. Pour vous dire, l'ADN, dans un brin d'ADN, vous avez plus d'informations que dans l'encyclopédie Universalis. Et pour faire la moindre protéine, c'est-à-dire le moindre assemblage d'acides aminés dans le bon ordre, puisqu'il y a 22 acides aminés, si vous avez une grosse protéine, c'est 22 puissance 1000. Et 22 puissance 1000, c'est à peu près 10 puissance 1500. Et une chance, pour que ça se mette dans ce sens-là, c'est une chance sur 10 puissance 1500. Ça, c'est à peu près la chance que vous avez, vous, de gagner au loto contre l'ensemble de la planète, contre 10 milliards d'habitants, toutes les semaines, pendant 2 ans. Donc, c'est des hasards qui n'existent pas. Et il en faut 200 au même endroit pour faire une cellule. Alors, les gens sont là, tout ça, c'est une découverte aussi. Hein. Il y a 100 ans, personne ne savait ça. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Et ça pose d'énormes problèmes. Non, vas-y. Oui, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donné un regard, en quelque sorte, de physicien un peu extérieur sur la biologie. Il y a ce mystère, effectivement, de la formation de l'ADN, des gènes, qui sont totalement improbables. Mais comme l'avait remarqué déjà Jean Rostand, si vous arriviez à fabriquer des protéines, des enzymes, bref, tous les éléments qui se trouvent dans la cellule, vous auriez fabriqué à tout coup une cellule morte. Ce qui est extraordinaire dans le vivant, c'est le métabolisme, c'est-à-dire le fait que tout ça, ça se met à marcher dans toutes les cellules comme une usine qui tourne. Souvent, on pose la question aux gens, combien pouvez-vous faire d'opérations en même temps ? 1, 2, 3. Pas du tout. Vous en faites des dizaines de millions à la seconde, sans en avoir conscience. C'est-à-dire que dans vos cellules, il y a des réactions biochimiques qui s'orientent exactement dans le bon ordre et avec le bon tempo dans toutes vos cellules pour que ça fonctionne. Et ça, c'est un très, très grand mystère. C'est-à-dire que l'étude réductionniste, en quelque sorte, uniquement des molécules, c'est-à-dire la biologie moléculaire, n'est pas suffisante. Il faut comprendre aussi le métabolisme. Et ça, c'est une voie de recherche actuelle qui se développe beaucoup. Alors, il y a un Américain qui s'appelle Kaufman, qui a lancé ça, c'est ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. L'étude d'un grand nombre de molécules qui interagissent ensemble. Et on est en train de se rendre compte que ce sont des systèmes en limite de chaos. C'est-à-dire que là aussi, on est sur le fil du rasoir. S'ils étaient un petit peu en dessous de cette limite, la cellule s'éteindrait. Si on était un petit peu au-dessus de cette limite, ben en fait, elle devient cancéreuse, elle explose en quelque sorte. Autrement dit, là aussi, il y a un réglage absolument extraordinaire. La deuxième chose que je souhaite ajouter, c'est qu'on en est en vérité qu'au tout début de la biologie moléculaire. Elle date de 1950-60, c'est-à-dire même pas 100 ans. Or, il ne fait pas de doute que les phénomènes quantiques, ça commence à être entrevu, jouent un rôle essentiel dans la biologie moléculaire. Des phénomènes d'une finesse inouïe. L'effet tunnel, l'intrication quantique, qui est un phénomène, je ne vais pas vous décrire, mais qui est d'une finesse extraordinaire, il semblerait qu'il soit essentiel au vivant. Quand on met tout ça bout à bout, effectivement, la formation de ces molécules, le métabolisme, les phénomènes quantiques dont on va sans doute de plus en plus percevoir l'importance, on se dit, mais comment tout cela est-ce possible ? Comment est-ce que tout cela pourrait-il marcher tout seul ? Eh bien, les croyants ont évidemment une grande cohérence dans leurs réponses. Évidemment, si tout cela, c'est le reflet de la pensée créatrice, ça se comprend en quelque sorte. Alors, je voudrais raconter juste une anecdote pour, qui est, je pense, intéressante, un peu comme tout à l'heure, sont les preuves indirectes. On a vu le fait que les grands savants d'Union soviétique et d'Allemagne ont été, de l'Allemagne nazie, ont été persécutés parce qu'ils croyaient à l'expansion de l'univers. Ce sont des preuves indirectes. Alors, il faut raconter ce qu'ont cru les gens pendant très longtemps. C'est-à-dire que Darwin, en 1850-1860, pense que la vie est née dans une soupe primitive. Et ce mot de soupe primitive, on l'a beaucoup entendu. Alors, Darwin dit, voilà, il y avait une soupe primitive, probablement près d'un volcan, avec du soufre, du méthane, enfin des corps chimiques assez complexes, et puis avec un coup de foudre ou quelque chose comme ça, eh bien, dans cette soupe primitive est apparue la première ou les premières cellules, et puis la vie s'est développée. Alors, ça, c'est 1850-1860, et donc, en 1950-1960 et 1970, ben, il y a des gens qui vont faire ces expériences-là, et d'ailleurs, dans le livre, on les raconte, pendant, il y a une dizaine d'équipes scientifiques dans des endroits différents aux États-Unis qui vont faire ça, ils vont touiller des soupes, ils vont mettre des courants électriques, de l'électromagnétisme, des trucs de foudre, etc. Ils vont faire plein d'expériences. Naturellement, ils ne vont pas voir de vivants apparaître,
Mais ce qui est intéressant, c'est pas ça ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que vers cette époque-là, on découvre en fait qu'une cellule, c'est pas quelque chose de simple. C'est une cellule où il y a des ordinateurs qui sont très compliqués. On l'a dit, l'ADN, c'est comme un ordinateur très complexe. L'ARN, le ribosome sont des ordinateurs très compliqués. Et donc, quand ils voient, quand les gens voient la complication de la moindre cellule vivante, on arrête. On a arrêté d'essayer de touiller des soupes primitives pour essayer d'en faire une cellule vivante. C'est-à-dire que ce renoncement, personnellement, à mon avis, dans ce qu'on appelle les anecdotes, ce renoncement est extrêmement parlant sur le fait que depuis les années 1970, plus personne, ça fait donc 50 ans maintenant, nous avons pourtant des moyens colossaux maintenant pour essayer de faire ça, et bien plus personne ne tente, parce qu'ils savent que s'il n'y a aucune chance que ça arrive, plus personne ne tente de faire apparaître une cellule vivante dans une soupe primitive. Voilà, je pense que cette anecdote est intéressante. Voilà, donc pour aller vite, pour vite vous donner la parole bientôt, en physique, les coïncidences sont extraordinaires. Vous savez, vous avez tous connu Tring Xuan Chuan, là, qui vous fait l'exemple de la flèche qui va à l'autre bout de l'univers et qui doit taper sur une cible d'un centimètre carré. C'est la probabilité que les constantes initiales soient bien réglées. Mais donc, on sait de l'ordre de 10 puissance, une chance sur 10 puissance 60. Mais en biologie, les chiffres qui nous viennent des scientifiques, c'est une chance sur 10 puissance 340 000. Là, on a changé d'échelle. On n'est plus du tout sur la même planète. Donc, c'est quelque chose de complètement dingue. Moi, lisez le chapitre sur la biologie, je pense que vous ne regretterez pas. Et on dit que c'est le passage du linéaire tout vivant est aussi compliqué que de passer d'un boulon à une voiture par hasard. Voilà. Non, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'il faut quand même donner la parole. Alors, pour résumer, si vous voulez, vous avez dans le passé, donc, des tas de raisons de croire en Dieu, l'émerveillement devant l'univers, les preuves philosophiques, tout ce qui concerne l'homme, la morale, les miracles, les apparitions, les saints, vous avez les témoignages de rencontres avec Dieu, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Quand on parle de miracles, d'apparitions de saints, c'est des milliers de témoignages. Donc les gens ont cru en Dieu sur tous les continents, dans tous les siècles, tout le temps. Et puis tout d'un coup, la science est venue en disant, ah ben non, la science penche de l'autre côté, et la science avait un prestige énorme parce qu'elle a changé nos vies, si vous voulez, elle a changé complètement la vie des gens. Et donc, on croit la science. Mais ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que la science est en train de passer de l'autre côté. Et donc, au final, tout converge. C'est ça qui est impressionnant quand on lit ce livre. Enfin, c'est pas le livre, mais c'est la réalité qui est derrière. Parce que des livres comme ça, vous savez qu'on a un précurseur formidable qui est le livre des frères Bogdanov, Dieu et la science. Moi, j'étais un fan des frères Bogdanov depuis tout petit, avec Temps X. Mais j'ai lu ce livre avec émotion. C'est un livre fantastique et c'est vendu à 1 million d'exemplaires. Et avec le Jean Guiton, ils ont expliqué les choses. Ça n'a pas pris beaucoup de rides, hein, je peux vous dire. Et aux États-Unis, en ce moment, il y a des livres qui paraissent en pagaille pour dire la même chose. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le retour de l'hypothèse Dieu », 3 découvertes scientifiques fantastiques qui changent tout. Voilà. Ça parle à peu près des mêmes choses que notre livre, même si on a fait un peu plus de choses un peu sur les parties des anomalies de l'histoire. Mais tout ça pour vous dire que ce qu'on trouve extrêmement convaincant au final, c'est un faisceau de preuves convergentes, rationnelles, indépendantes, qui vont toutes dans le même sens et qui, à la fin, vous donnent un paysage clair, quoi. Voilà. Pourquoi ? Parce que la connaissance a tellement progressé que les implications dont parlait Michel-Yves, on peut les juger maintenant d'un point de vue scientifique ou d'un point de vue de la connaissance. Voilà. Donc maintenant, on va redonner la parole à Igor et Grishka, à moins que vous ayez des choses à rajouter les uns les autres, pour passer à la deuxième partie de la soirée. Voilà, donc vous avez été évidemment emporté par ce flot de pensée, ce flot de conviction, ce flot de raison aussi. Ce qui est important, c'est que nous ne sommes pas simplement dans la passion. On pourrait aller vers ce mystère suprême simplement en prenant cette voie qui est la voie de la foi. Eh bien non, là, un peu comme saint Thomas d'Aquin autrefois, eh bien nous sommes amenés à suivre le chemin de la raison pour aller vers le mystère suprême. Et c'est très neuf, comme vous allez évidemment le constater dans le dialogue qui va s'établir maintenant. Vous pourrez poser toutes les questions, et vous verrez qu'à chaque fois, il y a des réponses qui sont parfois désarçonnantes, on ne s'y attend pas. On ne s'attend pas à ce qu'on puisse aujourd'hui dire, mais oui, il existe des indices, il existe des débuts et peut-être même des preuves complètes de l'existence de ce mystère suprême. Appelons-le Dieu, lorsque l'on entre par cette voie qui est une voie unifiée vers ce mystère suprême, et qu'on a le courage de l'admettre, eh bien oui, appelons-le Dieu, et puis donnons toute sa place
aux explications qui vont suivre. Donc, vous avez maintenant la parole. Le micro va circuler auprès de vous. Alors, bien entendu, ce qui compte, c'est d'être le premier. C'est le plus difficile. Alors, sinon, je vais désigner au hasard. Bon, je suppose que vous êtes quand même nombreux à vous poser des questions et à nous les poser, à les poser à nos trois héros, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, n'hésitez pas, alors, c'est à vous la parole. Il y a trois micros qui vont circuler dans la salle. En principe, il y a trois micros qui vont circuler dans la salle. En bas, au milieu et en haut. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourrait éclairer un petit peu plus la salle pour que l'échange soit plus visible. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Votre livre est un monument et il faut le temps de l'assimiler. Je me propose de le relire pour être tout à fait sûr d'en avoir tiré la substantifique moelle. Vous avez dans ce livre évoqué tellement de sujets qu'on va être donc très bref et très limitatif par rapport à ce que ça mériterait comme commentaire. Le premier point, c'est que vous avez mis en évidence le refus absolu des idées nouvelles et l'espèce de chasse aux sorcières contre les novateurs. Alors moi, je vais donc vous proposer des idées nouvelles et j'espère que j'aurai droit à votre soit écoute, soit acrimonie, et ce sera un test. J'ai trois questions, objections à faire à votre exposé. Vous avez d'ailleurs, monsieur Olivet, rappelé le remarquable livre « Dieu et la science » de Jean Guiton avec les entretiens avec les frères Bogdanov. Nous sommes en 1991, il y a maintenant simplement 30 ans, et ce sont toujours les mêmes idées, effectivement, qui avaient été parfaitement exposées et développées. Moi, je vais vous proposer encore un livre un peu plus ancien. Alors, Est-ce que vous pourriez poser une question courte, parce que oui, sinon, on n'aura pas le... Non, mais c'est très important. Ma première question, c'est, vous avez choisi le terme « Dieu créateur », qui est une intelligence transcendante qui a créé l'univers, c'est peu discutable. Que cela soit un Dieu créateur, c'est une phrase qui elle-même est porteuse d'une image, d'un pouvoir structurant qui reste absolument à prouver. Et qui reste à prouver parce que vous dites le monde a été créé avec ses précisions extrêmes de constantes pour permettre le vivant. Attendez, il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça, parce que sinon on ne va pas y arriver. Grishka, on en avait parlé. Ce qui serait bien, ça serait que les enfants, vous récupérez, parce que c'est mes enfants qui vont faire le tour, vous récupérez trois ou quatre questions, et ensuite on fait le tri, parce que sinon, il n'y aura pas le temps de faire beaucoup de questions si les questions sont d'accord, si longues. Je pose mes trois questions, et bref. Hein, vous dites, c'est pour créer le vivant. Vous n'expliquez pas pourquoi ce vivant est si rare dans l'univers, pourquoi il n'y en a que sur la Terre, dans le système solaire, pourquoi il a mis des centaines de millions d'années sur la Terre pour arriver à créer progressivement du vivant. Donc s'il y avait un créateur, on serait ou avec un créateur inepte ou on ne serait pas avec ce créateur. Deuxième question, Dieu ? Quelle est la question ? La question, c'est où est Dieu, hein? Et donc, avez parlé de... Alice, tu peux reprendre le micro, s'il te plaît. On va répondre à cette question-là. Où est Dieu? Vous avez parlé de multivers multiples, infinis dans le livre. Et moi, je dis, il y a effectivement un multivers, mais il n'y a que deux univers. Donc, ma question troisième, c'est connaissez-vous le livre merveilleux et basique de Jean-Émile Charon, « L'esprit, c'est inconnu ». Nous sommes en 1977, il y a maintenant 44 ans, monsieur, et on n'en parle plus. S'il vous plaît, voilà. Alors, pour répondre quand même à cette question, je veux bien qu'on reprenne le micro, et à partir de maintenant, j'aimerais bien qu'on prenne plusieurs questions ensemble, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je voudrais quand même répondre à cette question, parce que monsieur posait une question sur Dieu
avec plein de questions qui sont autour. Je redis ce que disait Michel Yves au tout début, c'est que ce livre a une ambition limitée, qui n'est pas de parler de qui est Dieu, de comment se comporter avec lui, de répondre à toutes les questions sur Dieu, ou de savoir s'il s'est révélé même. C'est simplement, est-ce qu'on peut établir qu'à l'origine de notre univers, il y a une cause transcendante, non matérielle, non spatiale, non temporelle, qui est aussi un esprit intelligent qui a à la fois créé ce début et qui a permis ce réglage. Voilà, c'est à cette question-là seulement qu'on voulait répondre. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui. Bonsoir messieurs, j'avais une question courte concernant l'entropie. On part du principe que l'entropie augmente, donc on ne peut pas revenir en arrière dans le temps, et qu'on va de l'ordre vers le désordre. Est-ce que l'arrivée de l'homme n'est pas une façon d'avoir un univers plus ordonné qu'au point de départ, au point initial ? Merci de votre réponse. Oui, c'est parce que le principe que vous venez de rappeler, c'est sur des états d'équilibre. L'arrivée de l'homme est un système hors équilibre. Voilà, l'homme vivant est hors équilibre. Donc effectivement, ça crée de ce qu'on appelle la négentropie, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie. Tout à fait, mais la mort thermique de l'univers, c'est un état d'équilibre final. Il n'y aura plus d'hommes à ce moment-là. Donc, ils se seront désintégrés, la Terre aussi, le système solaire aussi, les étoiles aussi, tout sera désintégré. Donc, à ce moment-là, on arrivera bien à un état d'entropie maximale. Il y a localement, effectivement, des endroits où l'entropie se crée. Il y a ce secret, c'est le cas dans les trous noirs par exemple, et il y a localement, c'est le cas dans le vivant, des endroits où l'entropie diminue. Mais ça, c'est parce que le système univers dans son ensemble a ce qu'on appelle un temps de relaxation, c'est-à-dire un temps de montée vers l'équilibre, et qui est sans doute fini, mais pas nul, quoi, qui est important. Donc on n'est pas encore dans l'état d'équilibre de l'univers, fort heureusement, si on ne serait pas là pour en parler. Mais la seule raison aussi pour laquelle de l'ordre se crée sur la Terre, c'est parce qu'on a une étoile qui s'appelle le Soleil, qui nous donne de l'énergie. Et les hommes, on a un ami du CNRS qui a beaucoup travaillé avec nous, qui nous compare à des frigos. C'est-à-dire que c'est parce qu'on émet de l'énergie et qu'on peut créer de l'ordre, qu'on reçoit de l'énergie et qu'on peut créer de l'ordre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, oui, c'est une question un peu connexe. J'ai lu tout votre livre et c'est admirable. Donc avant de poser ma question critique, un peu, je tiens à le dire que c'est dans l'ensemble du livre, je suis tout à fait d'accord. Juste sur la question de la mort thermique. Alors, la façon dont vous le présentez, c'est une preuve aussi très claire de l'existence de Dieu. Ça, je ne conteste pas. Ce que je me dis, c'est qu'à partir du moment où on admet l'hypothèse Dieu, on ne peut pas exclure le fait que Dieu intervienne dans l'univers. D'ailleurs, vous parlez vous-même des miracles, de choses, donc il y a des interventions de Dieu dans l'univers, pas seulement au Big Bang, mais ensuite. Et que donc, et pour des raisons philosophiques, moi je pense que Dieu ne va pas laisser le monde aller à une mort thermique, et je pense que Dieu s'est laissé des moyens donc, qu'on ne connaît pas encore dans la science actuelle, que Dieu s'est laissé le moyen, à travers en particulier peut-être la physique quantique et l'indéterminisme quantique, de pouvoir intervenir et justement que l'univers puisse perdurer. Voilà, c'est tout. Qu'en pensez-vous ? Igor et Grishka auraient un avis là-dessus. Hein. Oui, en fait, vous m'entendez ? Ouais, on a un peu réfléchi, Grishka et moi, sur ces questions-là. Et en fait, il faut relier la question de l'entropie à la question de l'énergie. Vous savez que au moment du Big Bang, l'énergie, si on peut dire, de l'univers est de 10 puissance 19 gigaélectronvolts. C'est une énergie, évidemment, qui est colossale. Elle est absolument inimaginable. La température aussi. La température, 10 puissance 32 degrés. Vous imaginez. C'est-à-dire, Grishka l'a dit, pendant ces trois premières minutes d'existence de l'univers, finalement, les atomes, les noyaux d'atomes d'hydrogène se sont formés pour des questions de température. Et quand, après 3 minutes d'existence, la température a chuté, petit millier de degrés, ben, qu'est-ce qui se passe ? 6000, en fait, là, il n'y a plus de fabrication de noyaux d'atomes d'hydrogène. En fait, tout ça procède, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un réglage. Mais je voudrais revenir à cette question du rapport
si on peut dire, entre l'énergie et une question qui nous a beaucoup préoccupé, Grishka et moi, dans nos thèses de doctorat, c'est la question de l'information. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'information est liée à l'énergie. L'information est liée à l'énergie. Prenez tout simplement, vous mettez une casserole sur un four et puis vous la regardez bouillir. Là, vous voyez, si vous mettez par exemple un peu de flocons d'avoine, vous allez voir que les flocons d'avoine dansent dans tous les sens et qu'il est difficile évidemment de prévoir leur trajectoire. Ils montent, ils descendent, parfois ils débordent. Bref, vous avez beaucoup d'énergie, c'est celle de la chaleur qui est communiquée par le four, mais vous avez très peu d'informations sur le surnageant, si on peut dire. Or, à mesure, vous allez couper le four, et à mesure que l'énergie diminue, vous allez constater que l'information augmente. Et c'est ça qui est fondamental. Un autre exemple, vous êtes au casino, vous voulez jouer. Vous avez déjà joué au casino ? Alors posez-vous cette question, parce que vous allez voir qu'elle a un rapport très précis avec l'histoire de l'univers tout entier. Vous êtes au casino, vous voyez la roulette, et vous avez tout à coup l'envie, le désir de jouer sur, par exemple, je ne sais pas moi, le 16 rouge. Le croupier communique son énergie à la roulette, il la lance, et à ce moment-là, vous voyez la bille qui saute évidemment d'une case à une autre. Vous êtes incapable de dire sur quelle case elle va s'arrêter. Vous avez joué le 16 rouge, par exemple. Et puis l'énergie du système diminue. Et à fur et à mesure que cette énergie diminue, eh bien, la bille va se stabiliser pendant une microseconde. Elle va s'arrêter sur le 8 et puis elle va rebondir sur le 14, etc. Et puis à un moment donné, lorsque toute l'énergie du système aura été dissipée, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où la roulette s'arrête, eh bien, alors à ce moment-là, vous avez de l'information. Puisque vous avez perdu, hélas. C'était pas sur le 16 rouge. Mais quel malheur! Mais en fait, en même temps, quel bonheur! Quel bonheur! Parce que vous avez compris quelque chose de fondamental, c'est que la diminution de l'énergie du système crée de l'information. Et ce qui est extraordinaire, c'est que depuis le début de son histoire, sauf localement, mais globalement, l'énergie du système univers, on va l'appeler comme ça, diminue. L'univers perd de l'énergie. Au moment du Big Bang, cette énergie, je l'ai dit, est fabuleuse. 10 puissance 19 gigaélectronvolts. Et puis maintenant, ben, elle a diminué. Elle est devenue beaucoup plus petite. Et cette diminution s'accompagne de quoi ? Eh bien, elle s'accompagne de ce que d'autres physiciens ou astrophysiciens, comme Hubert Reeves, par exemple, ils appellent ça l'aventure de la complexité. C'est-à-dire qu'en fait, la complexité, c'est quoi ? C'est de l'information. C'est de l'information. C'est-à-dire que vous, ici dans cette salle, vous êtes une information au travail. Vous allez communiquer sur ce que vous avez vécu ce soir. Vous allez transmettre une information. Et en fait, vous le faites pourquoi ? Parce qu'en fait, vous consommez de l'énergie. Vous avez consommé de l'énergie dans cette salle. Il y a beaucoup d'énergie ici. Mais cette énergie, vous l'avez convertie en information. L'univers ne fait rien d'autre. Alors, ça, c'est un peu pour répondre à la question que vous avez posée. C'est une question fondamentale et intéressante. Quand vous dites, au fond, finalement, la mort thermique de l'univers, Dieu ne peut pas permettre cela. Et bien, on peut répondre autrement à cette question. On peut se dire tout simplement que si depuis son histoire, qui commence au moment du Big Bang, au moment, à l'instant de Planck, allez, on va dire, 10 puissance moins 43 secondes après le Big Bang, on va revenir peut-être après à ce qui s'est passé avant. Mais si, depuis son début d'histoire, depuis le moment du Big Bang, jusqu'à aujourd'hui, l'univers a perdu de l'information, eh bien, il a perdu de l'énergie, il a gagné de l'information. Et toute l'histoire de l'univers, c'est ça. Son information est croissante à mesure que son énergie est décroissante. Et dans des milliards de milliards de milliards d'années, on peut imaginer que lorsque toute l'énergie du système univers aura disparu, eh bien, il y aura à la place une fantastique information qui aura résulté de cette incroyable aventure
de l'évolution de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à un avenir extrêmement lointain. Alors, merci Igor. Quand vous avez posé cette question, j'avais pensé tout de suite à leur donner la parole parce qu'on en a parlé souvent et je trouve que leur interprétation est très belle. Mais je voudrais revenir sur un point. Une des grandes découvertes de la science moderne, c'est que l'univers est infiniment plus complexe que ce qu'on pensait avant. À chaque fois qu'on résout une question, il y en a 10 qui s'ouvrent. C'est vraiment un abîme de complexité et il y a énormément de questions qui ne sont pas résolues. Alors comment est-ce qu'on peut quand même arriver à chercher à atteindre des conclusions, comme on fait dans ce livre? C'est en sélectionnant les questions sur lesquelles on peut répondre. Vous savez, c'est comme quand vous êtes un alpiniste devant une paroi, vous cherchez les prises à proximité qui sont solides. Les prises qui sont trop lointaines, inaccessibles, ça ne vous sert à rien. Les prises qui sont fragiles, où vous ne pouvez pas vous prononcer, ça ne vous sert à rien aussi. La seule chose qui vous permet de progresser, c'est une sélection des sujets, enfin en tout cas des prises. C'est ce qu'on a fait dans ce livre. On a cherché à limiter le nombre de questions parce que ces questions, on peut y répondre et ça permet d'avancer. C'est pour ça que bien souvent, si vous posez des questions qui sont trop loin des thèmes, on n'aura pas de réponse parce qu'il y a des milliers de questions auxquelles on n'a pas de réponse. Et donc, mais ça n'empêche pas qu'on puisse conclure. Ben c'est comme une enquête policière. Hein, quand vous faites une enquête policière, vous cherchez des preuves scientifiques, les empreintes, l'ADN, le téléphone, tout ça. Et puis, il y a d'autres types de preuves. Et ces choses-là vous intéressent. Mais il y a 1000 autres choses dans le monde qui pourraient vous détourner. Il faut se concentrer sur les preuves les plus accessibles et solides parce que sinon, vous n'avancez pas. Et là, je suis convaincu qu'avec l'analyse des bons sujets, on avance et on conclut. Et je répète, les deux bons sujets, c'est qu'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière. Et s'il y a un début au temps, à l'espace et à la matière, ça veut dire qu'il y a une cause qui n'est ni temporelle, ni spatiale, ni matérielle qui a créé ça. Et puis, il y a un réglage fin, absolument improbable, dans des proportions gigantesques. Et donc, ce qui vient naturellement à l'esprit, c'est que c'est un esprit supérieurement intelligent qui a voulu cette chose. Après, pourquoi il l'a voulu, comment on doit vivre avec lui, tout ça, c'est 1000 questions auxquelles on n'a pas su et, ni voulu répondre dans ce livre. Mais voilà, donc j'aimerais bien, si vous pouvez, que faire en sorte qu'on prenne 3 ou 4 questions et qu'on essaie de se les répartir entre nous, et puis que ce soit des questions qui soient sur l'argumentaire qu'on vient de vous développer depuis tout à l'heure et qui est l'argumentaire du livre, si possible. Voilà. Parce que c'est ça qui permettra de se faire une véritable opinion. Alors, juste... Bonsoir. Moi, j'ai une question par rapport au réglage fin de l'univers, justement. En fait, j'ai bien compris, ça me paraît clair que l'univers tel qu'on le connaît, il est régi par un certain nombre de constantes et que c'est hautement improbable d'être arrivé à cela. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, avec des constantes réglées un peu différemment, un autre univers qui fonctionnerait également ? D'une autre manière, certes, il n'y aurait pas de vie, mais il y aurait peut-être d'autres choses. Voilà. Merci pour cette question. La note, on va en prendre 2 ou 3 autres. Sur celle-là, on a une réponse. Allô, oui, bonsoir. J'aimerais redescendre un peu. J'aimerais savoir si, à l'heure actuelle, l'état de la science est d'accord ou pas avec le fait que la conscience ne serait pas le fruit du cerveau, mais que la conscience inclut et transcende le cortex, en fait. Très, très bonne question. On va y répondre partiellement parce que c'est pas dans le livre, mais on a quand même des choses à dire sur la conscience. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai une observation et une question. Alors, Héraclite parlait d'ordre universel auquel le soleil devrait obéir. L'univers ne pouvait pas faire n'importe quoi. Et si on réfléchit, alors je m'en souviens vaguement, l'explication du monde chez Hésiode, de l'apparition du monde, il dit au commencement était abîme, puis terre, puis ciel étoilé. Ma question, est-ce qu'on peut imaginer que dans la mémoire des hommes, puisque Hésiode forcément n'avait pas les moyens techniques extraordinaires qu'on a maintenant, est-ce que dans cette époque où les gens étaient intelligents mais avaient des moyens techniques archaïques, est-ce qu'il y avait dans leur mémoire le souvenir de la création? Ok, difficile.
Encore deux, allez. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous êtes où ? Je suis là. Ah d'accord, très bien. Moi j'avais une petite question sur la théorie des origines de la vie. Vous avez évoqué tout à l'heure le passage de l'inerte à la première cellule. Est-ce que je voulais savoir, parce que je n'ai pas lu votre livre, est-ce que vous vous positionnez plutôt en tant qu'évolutionniste tendance intelligent design, c'est-à-dire Dieu qui a créé qui a guidé l'évolution, ou bien vous vous positionnez plutôt en tant que créateur, c'est-à-dire un créationnisme plutôt tervier, c'est-à-dire un créationnisme qui respecte les temps géologiques, c'est-à-dire des êtres pluricellulaires qui existent depuis 600-700 millions d'années. Voilà, je voulais savoir comment vous vous positionnez par rapport à cette question-là qui est très importante pour les scientifiques et puis pour tout le monde. Voilà. Ok, merci, très bien. Oui. Encore une dernière, et après on... Allô. Une question. Si je comprends bien, tout le monde est d'accord sur le Big Bang, tous les grands scientifiques sont d'accord sur le Big Bang, tout le monde est d'accord sur le fait que la probabilité de l'existence de la vie est la probabilité est incroyablement faible. Pourquoi existe-t-il encore des scientifiques qui n'en tirent pas les conséquences philosophiques sur l'existence d'un être créateur ? Très bonne question. Alors, donc comment on se répartit les questions ? Moi, je veux bien la première, donc sur le réglage fin de l'univers. Donc, si les constantes étaient réglées différemment, qu'est-ce qui se passerait ? Ou peut-être que Yves peut mieux répondre que moi. Mais oui, je peux effectivement répondre. Ce que montrent les calculs qui maintenant peuvent être faits par ordinateur, c'est que dès le début, s'il n'y a pas ce réglage fin, ça fait flop. J'ai parlé tout à l'heure, on a parlé des particules qui apparaissent dans les trois premières minutes de l'univers. Eh bien, s'il n'y avait pas ce réglage fin, elles n'apparaissent pas et l'univers reste absolument vide, en quelque sorte, rempli de rayonnement en vérité. Alors vous pouvez dire c'est un univers, mais enfin c'est un drôle d'univers. C'est pas le nôtre et c'est pas celui dans lequel a pu se développer la vie. Donc c'est vraiment extrêmement sensible, vous ne pouvez pas avoir autre chose. C'est ce que montrent les résolutions numériques sur les équations. Effectivement, c'est par les ordinateurs qu'aujourd'hui on modélise le développement de l'univers qui se développe un peu comme vous êtes au départ une cellule d'ADN et il y a un programme qui vous a fait vous développer. L'univers, c'est à peu près pareil avec des lois. Et quand on a pu mettre ça dans des ordinateurs, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en bougeant une petite constante, il ne se passait plus rien. Un petit exemple. La constante qui règle la lumière dans cette salle. Cette constante, elle a été citée par Yves tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la constante de structure fine. C'est une constante qui a été découverte en 1916 par un des compagnons de pensée d'Einstein. Alors, je vais vous la lire et vous allez voir. Ça va à l'infini, donc on pourrait rester une infinité de temps à la lire. Mais je vais vous lire les 10 premiers digits, comme on dit, c'est les 10 premières décimales. Alors, elle s'écrit 0,00729735256, et puis après, ça continue. Ce qui a été fait, justement, en ordinateur, on a voulu changer au dixième rang le 6, et on l'a remplacé par un 5. C'est très loin de la virgule. 0,00729735256. On a changé le 6 et on l'a remplacé par un 5. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Tout se détraque. Pas seulement la lumière d'ailleurs, parce que la lumière, bien sûr, elle ne marche plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lumière, mais en plus, comme vous savez, la force électromagnétique, c'est ce qui maintient aussi la cohésion des molécules. Eh bien, ce micro, par exemple, eh bien, il s'envolerait, il s'éparpillerait, de même que ces fauteuils, ces chaises, vous aussi. Vous disparaîtriez dans un nuage. Simplement, quand on trafique la sixième, dixième, le 6, dixième rang, c'est incroyable. Mais ce serait pareil au centième rang, ce serait pareil au millième rang. Et je vous laisse sur cette réflexion, cette constante de structure fine, elle est réglée à l'infini, parce qu'il y a une infinité décimale, elle est réglée à l'infini, ce qui fait dire au prix Nobel 1965, qui est un grand vulgarisateur, le plus grand vulgarisateur de toute la physique aux États-Unis, il s'appelle Richard Feynman, et il dit ce nombre incroyable, ce nombre qui semble écrit parce qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il a la valeur qu'il a, personne ne le sait,
Il semble donc écrit de la main de Dieu. Il l'a dit. Ben oui, il l'a dit, il a osé le dire. Il n'est pas croyant. Et il n'est pas croyant, en plus. Alors, pour... On va répondre rapidement à deux questions qui ont été posées. La première, c'est sur l'apparition du vivant par rapport à l'inerte. Quelqu'un nous a posé comment est-ce que vous vous positionnez. Alors, écoutez, nous nous positionnons en pensant qu'il y a des lois et des réglages fins supplémentaires qui sont ignorés aujourd'hui et qui ont à un moment permis de passer de l'inerte au vivant. Simplement, aujourd'hui, avec les lois connues, c'est impossible. Donc il y a probablement des lois que nous ne connaissons pas et des choses qu'on... un deuxième principe anthropique, si vous voulez. Il y a un deuxième principe anthropique qui a fait qu'à un moment, il y a du vivant qui soit apparu. Ce qui est très intéressant dans les anecdotes, parce que ce sont souvent les plus intéressantes, c'est que nous savons qu'effectivement, tous les êtres vivants ont un seul ancêtre, qui est une première cellule vivante, que les scientifiques appellent LUCA, parce que c'est le Last Universal Common Ancestor. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que le vivant n'a apparu en 3 milliards et demi d'années, c'est la formation de la Terre, qu'une seule fois. C'est-à-dire que ce passage de l'inerte au vivant, s'il était facile à se produire, il se serait sans doute produit ailleurs, il ne s'est jamais reproduit. Nous descendons tous d'une même cellule vivante qui est née il y a 3 milliards et demi d'années, en gros, sur la Terre. Voilà, ça c'est pour le point de qu'est-ce que nous pensons. Sur le deuxième point, comment se fait-il, on a posé, qu'il n'y ait pas plus de scientifiques croyants compte tenu de ce qu'on vient voir, c'est, nous en parlons dans le livre, c'est que, en fait, la question de l'existence de Dieu, et bien évidemment, ça n'est pas une question ordinaire, ça n'est pas, si vous voulez, il y a des discussions scientifiques, pourquoi est-ce que les dinosaures se sont éteints? Ça c'est une discussion scientifique, tout le monde, il y a des avis différents, les gens ne sont pas... voilà, on en discute, on peut en disputer, puis on fait des nouvelles découvertes, puis un jour il y a une théorie qui triomphe et puis tout le monde se range. Bon, ça c'est assez simple. Est-ce que la Lune c'est juste un astéroïde qui est venu se satelliser autour de la Terre, ou au contraire est-ce que c'est un morceau qui s'est détaché de la Terre? Tout ça ce sont des discussions qui ne sont pas passionnelles, elles sont entièrement purement scientifiques. Quand évidemment on parle de l'existence d'un Dieu créateur, toute personne se sent évidemment interpellée, parfois même peut-être agressé, et donc c'est très passionnel. Voilà, donc on est dans une question qui est évidemment très passionnelle. On voit très bien les disputes qu'ont créées sur ce sujet-là dans la descente de la parabole. Quand on est arrivé à Darwin, ça a beaucoup échauffé les esprits, on comprend très bien. Et puis maintenant, on arrive exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire que ça échauffe les esprits, mais ceux qui ont une croyance, parce que le matérialisme, bien évidemment, est une croyance, on dit toujours que les matérialistes sont des non-croyants, mais ce n'est pas vrai du tout. Les matérialistes, ils croient énormément de choses. Ils croient, par exemple, qu'il y a d'autres univers avant notre univers, qu'il y a des univers parallèles, etc. Donc, c'est une question passionnelle. Je pense que c'est parce que c'est une question passionnelle qu'aujourd'hui, les découvertes scientifiques du XXe siècle n'ont pas percé. Vous verrez simplement que dans le livre, sur les statistiques, les dernières statistiques qui ont été faites aux États-Unis, les jeunes scientifiques sont un peu plus croyants que les scientifiques âgés, ce qui montre qu'il y a peut-être un signe de début de renversement. Voilà pour deux questions auxquelles nous avons répondu, si tu veux répondre à une ou deux autres. Oui, juste aussi compléter, on peut dire que cette question de l'existence de Dieu, elle est essentielle au sens de fondamentale, parce que beaucoup de choses dépendent de ça, c'est le premier point. Elle est passionnelle, un peu trop. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit un peu plus étudiée d'un point de vue rationnel, c'est-à-dire qu'on fasse retomber les passions. Elle est bourrée d'a priori et de préjugés aussi. Quand vous parlez de ça avec les gens, ils ont dans leur tête plein d'a priori, de préjugés. C'est pas possible de prouver Dieu, la science peut rien faire, tout ça, tout ça. Il faut, le souhait qu'on a, c'est qu'on oublie ces a priori et qu'on ouvre le dossier. Et puis dans la tête des gens, elle est aussi par nature indéterminée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se positionner dessus. Et en fait, nous, on pense vraiment qu'il faut réouvrir le dossier parce que elle est de moins en moins indéterminée et même carrément peut-être déterminée. Voilà. Pour reprendre aussi un tout petit mot sur la question d'avant, vous parliez du créationnisme. Alors le créationnisme, c'est quelque chose qui nie la science. Donc, il faut, à mon avis, ce n'est pas raisonnable. Et puis, il y a le matérialisme de l'autre côté qui est quelque chose qui nie un petit peu les implications, les conséquences de ce qu'on découvre. Ce n'est pas raisonnable non plus. Il faut trouver un chemin de crête.
Voilà, alors je voulais revenir sur les deux dernières questions, c'était la conscience. Effectivement, c'est un sujet dont on s'est posé la question longtemps, est-ce qu'on allait parler des EMI, par exemple, ou du fait que la... Mais on a essayé de sélectionner les questions où on pouvait trancher de manière assez claire, sachant que celle des EMI, elle est mentionnée à la page 46 là, de notre livre. Les expériences de mort imminente qui semblent montrer qu'effectivement, la pensée n'est pas liée complètement seulement au fonctionnement du cerveau. Il y a des gens qui ont pu vivre des choses, qui voyaient des choses alors que leur cerveau était en encéphalogramme complètement plat. Il se passait des choses encore. Voilà, donc ça, à mon avis, on est tout près d'une découverte très forte scientifique dans ce domaine, mais on a jugé qu'il y avait déjà assez de pages dans ce livre et qu'on n'en parlerait pas. C'est pourtant un vrai sujet. Et puis, la dernière question, c'était sur la mémoire. Est-ce que la mémoire des hommes n'a pas gardé quelque part la mémoire de l'origine? Alors, il y a quand même un décalage dans le temps, parce que la mémoire des hommes, c'est quelques dizaines de milliers d'années. Et c'est difficile d'avoir la mémoire, peut-être par révélation, mais pas par mémoire directe, en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre peut-être 4 ou 5 autres questions? Oui, ça. Il y a des bavures parce qu'il y a des catastrophes naturelles. Bien sûr. Alors, réponse. Oui. Très bien. Une question. Ouais. J'ai une autre question. Alors, est-ce qu'il y a le micro qui peut circuler? Oui. Voilà. J'ai une autre question, monsieur Bonassi. Bonsoir. Alors, j'ai une approche beaucoup moins scientifique. Vraiment, la question que je voulais vous poser, qui m'intriguait beaucoup, c'était quand est-ce que vous avez commencé à regarder sous un œil scientifique une question qui demeurait jusqu'alors philosophique et ou religieuse? Voilà. Très bien. Oui, j'ai encore deux questions sur les deux. Je suis juste au-dessus de vous, M. Bonassi. Je sais pas. Où ça? À votre droite. D'accord, là-bas. Sur les deux piliers que vous avez mentionnés, vous avez dit le premier, c'est la conservation de la matière. On a du mal à dire qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a forcément un début parce que la matière doit se conserver. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ma question, c'est est-ce qu'on est complètement sûr de ce postulat-là? Est-ce qu'on est complètement à l'abri d'une découverte qui dira ce principe-là, en fait, il est faux? Et donc, à ce moment-là, ça renversera le problème, on aura d'autres questions qui se poseront. Et la deuxième, c'est sur le réglage fin. Vous dites qu'il y a le réglage fin de l'univers, et ensuite il y a un deuxième réglage fin de la biologie. Ma question, c'est, je suis matérialiste et je me dis que le temps est infini, je me dis qu'un double réglage fin dans un temps infini, vraiment la définition d'infini, c'est pas totalement impossible, qu'avec un temps infini, on tombe sur une loterie qui est 2 fois gagnante. C'est pas impossible. Alors je répondrai à votre question. Est-ce qu'on va en prendre deux autres? Vous avez déjà posé. J'ai une question elle est scientifique. Elle peut paraître un peu bête. Vous êtes ça? Ça peut paraître un peu bête, mais d'où est-ce que la matière ou d'où est-ce que les objets savent qu'elles doivent obéir aux lois? C'est-à-dire, vous parlez du réglage fin de l'univers, vous parlez des lois de l'univers, mais on ne voit pas d'où la matière, elle sait que tout cela fonctionne. C'est-à-dire, comment elles exercent leur pouvoir? Okay. Comment est-ce qu'elles font que tout les ça, suit? Ça, c'est pour Yves. Voilà. Michel Yves prend les malheurs du monde. Ok, bonjour. Allô. Et allons-y alors. Moi, je dis souvent, quand j'explique des choses de physique, que les équations, elles sont dans notre tête, que... Ça marche pas? Que les constantes physiques, elles sont dans notre tête, et tout cela, tout cet attirail, il est fait pour décrire, une approche du réel. Bien, évidemment que les particules, elles savent rien. L'électron, il se dit pas, oulala, je suis attiré par ici, faut que j'y aille. Ça, c'est sûr. Donc, c'est une description que nous donnons. Simplement, ces descriptions, toutes les équations de la physique, elles fonctionnent. Ça permet de construire des tas de choses extraordinaires qui sont autour de nous. Ça permet d'expliquer des tas de phénomènes que nous observons. Et c'est ça la science, c'est faire des théories, c'est de faire des prévisions, et c'est ensuite de les vérifier. Donc ça fonctionne. Alors c'est une façon de traduire les choses. Dire que les constantes sont réglées, c'est une façon de dire que la physique du monde est finalement réglée de façon extrêmement fine.
peut-être qu'il y a quelque chose de très simple derrière tout ça qu'on ne voit pas. Il y a peut-être un principe fondateur qui est celui du créateur, finalement, qui est derrière le monde. Mais nous, nous avons une intelligence limitée et nous sommes obligés d'écrire le monde par ces équations un petit peu compliquées. Donc c'est quand même une façon de dire qu'il y a une puissance créatrice derrière le monde qui a permis toute cette évolution des événements qui font que nous sommes là. Voilà, je crois qu'il faut voir ça comme ça. Oui, bonjour. M'entends là ? Il marche là ? Oui. Tariq, j'ai trois questions en un, c'est extrêmement rapide. La première, je n'ai pas eu l'occasion de lire votre livre parce que je n'ai pas pu me le procurer. Du coup, j'ai lu les commentaires et certaines de vos interviews. Alors, il y en a qui vous accusent de faire du concordisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Deuxième question, vous avez parlé tout à l'heure de l'expansion de l'univers avec le Big Bang. Quand Friedman et le maître utilisent les équations d'Einstein pour remonter dans le passé, et justement trouver le fameux point initial, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent que la relativité générale. Or, le problème, c'est que quand on recule dans le temps, il faut tenir compte aussi de la mécanique quantique. Donc ma question, c'est qu'on a le droit de faire ça. Et troisième question, maintenant que vous avez prouvé l'existence de Dieu, c'est quoi la suite ? Parce que... Je vais... Alors... Juste une réponse à une question qui a été posée là dans les gradins sur les bavures du principe anthropique, qui a donc bien fait rire la salle effectivement, et sur les malheurs du monde. C'est une vraie question. C'est une question qui ne fait pas partie, voilà, elle fait pas partie du tout du débat, elle fait pas partie du livre. Elle est évidemment très importante, mais c'est un autre sujet. Je peux rien vous dire de plus. C'est tout. C'est un autre sujet complètement. Alors, à Yves. Oui, en ce qui concerne quand on approche le point zéro du Big Bang, effectivement, il y a des effets quantiques qui apparaissent. C'est avant ce qu'on appelle le temps de Planck. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 43 secondes. C'est pas beaucoup. Donc, on peut déjà dire que 10 puissance moins 43 secondes, pour un certain nombre de scientifiques, c'est le début de l'univers tel que nous le connaissons. Parce qu'avant, effectivement, il faut prendre en compte les effets quantiques. Or, personne ne sait le faire. Depuis 60 ans, on essaye d'unifier la gravitation et le monde quantique, et on n'y arrive pas. Il y a des tas de théories qui ont été proposées, et il n'y en a aucune qui fonctionne, et qui sont dramatiquement divergentes ou qui explosent, enfin bref, qui ne fonctionnent pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est que quand on arrive dans le domaine où la gravitation devient quantique, là, c'est un drôle de monde, parce que le monde quantique, c'est le monde des fluctuations irrépressibles, que vous ne pouvez pas maîtriser. Or, si la gravitation fluctue, c'est que c'est l'espace-temps lui-même qui fluctue. Autrement dit, vous êtes dans un monde où le temps lui-même fluctue de façon aléatoire, il va en avant, il va en arrière, l'espace fluctue. Est-ce qu'on peut faire de la physique là-dedans ? Et c'est Gerhard Tofte, prix Nobel très brillant de physique, 1900, dans les années 79, par là, non, peut-être après. Bref, Gerhard Tofte, qui dit « Ne me parlez pas de physique » avant l'instant de Planck, ce n'est pas de la physique, c'est autre chose. Donc personne n'a de réponse, mais ce qui est certain, c'est qu'après cet instant de 10 puissance moins 43 secondes, eh bien, l'univers évolue tel qu'on le décrit. Et avouez que 10 puissance moins 43 secondes, c'est quand même pas beaucoup, et la taille de l'univers à ce moment-là était très faible. En ce qui concerne le concordisme, tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce que c'est. C'est lié au créationnisme aussi à une époque. Ça a été jeté un petit peu comme une insulte. Ah, vous faites du concordisme. C'est-à-dire de dire, vous faites concorder la science avec la religion. On ne fait rien concorder du tout, on constate. On constate que ce que dit la science correspond à ce que peut donner l'enseignement de la Bible sur la création du monde. Eh bien oui, je crois qu'il faut revendiquer le fait d'être concordiste. Parce que, précisément, c'est la démarche de ce livre. C'est apologétique. Effectivement, les découvertes scientifiques corroborent ce que nous enseigne la révélation biblique. Eh bien, tant mieux, on ne va quand même pas se boucher les yeux pour dire on ne fait surtout pas de concordisme. Il y a derrière, en fait, une autre question. C'est l'idée, est-ce que la science ne déborde pas de son lit, en quelque sorte, en s'intéressant à des questions de philosophie ou de métaphysique ? La réponse est non. Il y a eu de tout temps l'activité scientifique, on appelait ça la philosophie naturelle. C'était l'étude du monde qui s'intégrait à la philosophie. Il y a eu une petite rupture avec l'arrivée de la physique mathématique par les travaux de Newton, où on a pensé que la physique était un monde extrêmement formel d'équations et qu'à ce moment-là, on ne pouvait absolument pas avoir d'idées philosophiques. Mais quand vous y réfléchissez, c'est faux. Aucun physicien ne reste strictement dans son monde d'équations pur et dur, son monde comptable en quelque sorte. Et dès que vous donnez une interprétation, cette interprétation, elle est d'origine philosophique plus que scientifique en vérité.
Elle guide les raisonnements, elle amène à des résultats qu'on vérifie. Ça, c'est scientifique. Mais tout ce qui est interprétation, eh bien, c'est déjà du domaine de la philosophie. Donc, je crois qu'il n'y a aucun problème à suivre la méthode que nous avons suivie. Oui, tout à fait. Alors, sur cette histoire de concordisme, Einstein a réagi aux équations et aux conclusions des équations en disant « Ah non, surtout pas ça, ça ressemble trop à la création biblique ». Et en fait, il faisait du concordisme, parce qu'il était concordiste. Il disait « Ah ben non, c'est en train de concorder avec la Bible ». Et c'est très amusant de voir la préface de ce livre. Donc, encore une fois, le prix Nobel qui signe cette préface, on lui a demandé de vérifier que c'était correct sur le plan scientifique. Et il le dit. Mais lui, il est agnostique. Et simplement, il fait la remarque que la question de la création ne se posait pas dans son enfance. Enfin, quand il a commencé, il disait « Pour moi, l'univers était stable, infini, éternel ». Et puis, j'ai fait cette découverte, et je vois qu'il y a un début, et ça pose immédiatement la question de la création. Et il dit, à la fin de sa conclusion, il dit quelque chose de très beau, il dit que ceux qui sont religieux, enfin, ceux qui sont... il fait du concordisme à fond, parce qu'il est en train de nous dire, voilà, si vous êtes religieux au sens de la tradition judéo-chrétienne, je ne vois pas de meilleure théorie scientifique que celle du Big Bang et de l'origine de l'univers, susceptible de correspondre à ce point aux descriptions de la Genèse. Donc il dit, voilà, ben, bon, ça c'était pour le concordisme. Sur ce que dit Yves sur le début de l'univers, ce qui est important de voir, c'est que c'est difficile de voir ce qu'il y a avant le Big Bang, même si Igor et Grishka, ils essayent quand même. Hein. Mais c'est difficile de dire avant le Big Bang positivement ce qu'il y a. Par contre, négativement, de manière apophatique, on peut dire des choses. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce n'était pas ce qu'on appelle la nature, c'est-à-dire que ce n'était pas le temps, l'espace et la matière, ce qui compose notre nature, c'était autre chose. Donc c'est surnaturel, si vous voulez, ce n'est pas naturel au sens de notre monde à nous, ça c'est sûr. Donc on peut parler de manière négative, apophatique, indirecte, et c'est comme ça qu'on parle de Dieu aussi en théologie d'ailleurs. Alors je voudrais répondre maintenant à la question sur le temps infini dans le passé, parce que ça j'aime bien, alors Michel il n'aime pas quand j'en parle trop, alors je vais être court, voilà. Donc, c'est très important de voir que la physique chasse l'infini. La physique, à un moment, on pouvait conceptuellement... Vous savez, l'infini, c'est une notion qui a été développée en mathématiques, notamment par Cantor. Et puis, très rapidement, Hilbert, qui est un grand mathématicien, derrière, a dit « Bon, c'est bien, mais si on l'applique dans le monde réel, ça ne marche pas. Il y a des paradoxes et des absurdités qui sortent tout de suite. » Et donc, il a dit « L'infini n'existe pas dans le monde réel. » Et en fait, la physique l'a constaté. C'est-à-dire qu'on peut imaginer théoriquement une vitesse infinie. Einstein a dit non, la vitesse, elle est limitée. On ne peut pas aller dans l'espace-temps qui est le nôtre, le vrai, le monde réel. On ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. On pouvait en mathématiques imaginer qu'on peut diviser un segment en deux, puis en deux, puis en deux, à l'infini. Et la physique répond non, on doit s'arrêter. Il y a des quantas, des minimums de distance qu'on ne peut pas dépasser. 10 puissance moins 35 mètres, on ne peut pas aller en dessous. On pensait aussi qu'il y avait un temps infini dans le passé potentiel. Alors ça, c'est très important parce que c'est un débat qui remonte, encore une fois, dans le passé. Les philosophes grecs pensaient que le monde était éternel dans le passé, Aristote lui-même. Et il y a un commentateur d'Aristote qui s'appelle Philopon qui dit « Non, c'est pas possible un infini dans le passé, réfléchissez deux minutes, c'est pas possible ». C'est repris par les penseurs musulmans au Moyen-Âge, c'est repris par Saint Bonaventure, et ça devient un raisonnement très fort, qui consiste à dire qu'un infini, et si vous y pensez deux minutes, je crois que vous serez d'accord, un infini de temps dans le passé, ce n'est pas possible. Parce que si vous partez de maintenant et que vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 sans jamais vous arrêter, vous allez aller vers l'infini, mais ça restera toujours un infini potentiel. Ça ne sera jamais un infini atteint. Et bien pour la même raison qu'en partant de maintenant, vous ne pourrez jamais atteindre l'infini, vous ne pouvez pas partir de l'infini et atteindre maintenant. C'est comme sauter d'un puits sans fond, ce n'est pas possible. Donc cette connaissance rationnelle de l'impossibilité de l'infini dans le passé, elle était connue depuis le 5e siècle, ou 6e siècle. Donc les savants simplement ne l'avaient pas intégré. Et ce qu'il y a de très nouveau, c'est qu'aujourd'hui la science vient montrer que c'est vrai, qu'il y a un début dans le temps. Et comme le temps est lié à l'espace et la matière, paf! Et là on a un énorme problème dans la chaussure des matérialistes. Vous voyez, c'est encore une fois, toutes les théories matérialistes de tous les temps dans le passé pensaient un univers éternel. Et bien ça, c'est plus possible. D'autres questions, alors, peut-être. À moins que ça soit l'heure, je ne sais pas. Je crois que c'est ça, Thomas, qui parlait de la différence entre commencement et création. Oui, tout à fait. Donc, on est sûr qu'il y a un
Alors, ça... qui a créé, on saute à la conclusion qu'il y a un truc tout autre que notre univers intelligent qui l'a créé. Alors, c'est très. On note la différence entre commencement et création, parce que le livre en parle, on traite de la création à la page 509, mais le commencement dans toutes les pages avant, mais on va en parler après. Bonsoir. Très bien. Autre question ? Bonsoir. Vous êtes où ? Oui, bonsoir. Excusez-moi, je suis en bas. En bas, d'accord. Ah, d'accord, voilà. Là-bas. Il y a deux discours là que je remarque, le discours scientifique et philosophique. Scientifique avec les preuves et philosophique, là je fais un petit peu allusion à celui de Pascal Blaise. Est-ce que le discours philosophique n'a pas plus d'impact, et là je pense notamment au pari de Pascal Blaise, quant à la croyance, parce que je... Voilà. Ok, on parlera de science et de philosophie, c'est intéressant. Bonsoir. Une autre question ? Oui, je voudrais vous poser une question. Je suis ici, là, juste... voilà. Oui. Bonsoir à tous. J'ai entendu un petit peu ce dont il est question donc pour le réglage fin, et en fait ça part quand même d'une hypothèse implicite que vous n'énoncez pas. On compare donc l'univers primordial à un point, grosso modo, et puis vous faites l'analyse a posteriori de cette dynamique qui amène la vie. Maintenant, si vous considérez un ensemble de cardinalité supérieure à justement à ces réglages fins, on peut tout à fait imaginer qu'il y a des univers stériles et que cette expérience, ou plutôt que ce processus, s'est produit un nombre de fois incalculable. Donc par conséquent, fonder tout le raisonnement sur cet aspect quantitatif et probabiliste, ça ne fait pas une philosophie transcendantale. Donc par conséquent, le réglage même hyper fin peut être une constatation a posteriori. Deuxième question, dans quoi s'étend l'univers ? Si on répond à cette question, enfin ceux qui connaissent le théorème de Whitney, on va s'apercevoir qu'on a des modèles en réalité très basiques. Alors, on va répondre à ces deux questions parce qu'on a des réponses. Très bien. Bon, bah, très bien. Alors, j'ai pas eu le temps de poser. Et une dernière, peut-être ? S'il vous plaît, j'avais une question depuis tout à l'heure. Là, vous m'entendez ? Le micro ne va pas devant. Hein, il faudrait qu'il aille devant. S'il vous plaît. Oui, vous. S'il vous plaît. Sans micro, alors. S'il vous plaît, j'ai une question simple. Oh, là. Que voulez-vous ? Vous avez du succès, il y a du monde. Voilà, on ne sait pas où est le micro, mais il doit être quelque part. Allez-y. Alors, continuons à partir du principe que Dieu existe, apparemment, enfin il semblerait. Ce personnage est apparemment parfait, il est éternel. Comment se fait-il et pour quelle raison Dieu existe et il a créé la vie ? Quel sens on peut lui donner à cette création de la vie ? Faut-il attendre Ça sera la Michel fin... Yves qui va vous répondre. Faut-il attendre la fin de l'infini pour savoir la réponse ? Ou est-ce qu'il faut attendre que la science et la philosophie soient d'accord pour qu'on découvre la réalité des choses ? Oui, comme on vous l'a dit, en fait, finalement, le débat, comme le livre, ne traite pas de cette question. Donc oui, mais... voilà, c'est tout. C'est un autre sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, mais c'est juste un autre sujet. Oui, parce qu'apparemment... Peut-être voilà. Qu'à alors, travers les recherches... Alors, Yves Dupont va répondre aux... On va avoir des réponses et on découvrira peut-être la raison. Yves Dupont, Oui, je réponds sur la question dans quoi s'étend l'univers. Mais il s'étend dans rien, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a pas une dimension supérieure. Il est, j'avais pris l'exemple du ballon baudruche tout à l'heure, dans cet exemple, on ignore la troisième dimension. Il n'y a qu'une dimension de... On vit, comme je dis à mes élèves... Comment ? Non, mais un espace courbe, ce n'est pas une sous-variété. Mais non, vous avez une... Sinon, vous n'en sortez pas, parce que votre variété... Non, parce que ce n'est pas un espace vectoriel. Oui, de variété, mais c'est un espace... Bah, écoutez, c'est un espace riemannien à trois... D'accord, un espace riemannien à quatre dimensions. Mais en fait,
tous les ouvrages de relativité générale vous expliquent que l'univers ne s'étend dans rien. Parce que sinon, je ne vois pas très bien d'ailleurs dans quoi il s'étendrait. Je voudrais ensuite répondre sur la question, il me semblait que c'était là-bas, sur ce qui est en fait les multivers, sur le principe anthropique. En disant, ben après tout, ce que vous appelez la cardinalité, c'est-à-dire d'autres univers. Eh bien, effectivement, les gens qui ne veulent absolument pas croire se sont dit, oulala, ce principe anthropique, c'est inexplicable. Et une façon d'y répondre, c'est celle des multivers, c'est-à-dire une infinité d'univers. Alors on peut toujours en faire l'hypothèse. Il y a quand même en science un principe, ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, c'est-à-dire que les théories les plus simples sont généralement les meilleures. On connaît ça en mathématiques. Une démonstration simple, c'est meilleur qu'une démonstration infiniment compliquée. Bien, la théorie des multivers, elle est beaucoup plus complexe. Elle n'est pas fondée, elle n'est pas obligatoire du point de vue théorique, et il n'y a évidemment aucun élément expérimental qui la corrobore. Donc pour le moment, le plus simple, c'est qu'il n'y ait qu'un seul univers, et à ce moment-là, règne en son sein le principe anthropique. Oui, on peut compléter un tout petit peu. La théorie des multivers reposerait sur des chiffres hallucinants. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas ça. Il faudrait croire qu'il y a une machine à créer des univers qui, en nombre gigantesque, c'est-à-dire infiniment plus que le nombre d'atomes et de particules dans notre univers, mais infiniment plus. Voilà, il y a des gens qui peuvent croire ça, mais c'est difficile. C'est-à-dire c'est de la croyance et c'est très difficile. Il y a un autre point sur la différence entre la science et la philosophie. Alors, ce qui est intéressant en science, c'est que la science fonctionne avec des grands groupes. C'est-à-dire qu'en général, les scientifiques signent des articles à 100 personnes ou 200 personnes. Ça arrive que 200 personnes signent un article scientifique. Et il y a des universités, il y a des groupes de recherche énormes. Et donc, c'est un travail collectif. Et quand on dit une grosse bêtise en science, on est disqualifié et on sort du circuit. Quand on dit une grosse bêtise en philosophie, non. La philosophie est quelque chose qui est... Non, mais je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont dit, par exemple, que Jésus n'avait jamais existé. Bon, c'est absurde d'un point de vue philosophique ou historique, ou tout ce qu'on veut, mais ils sont toujours là. Ils sont dans la télé. Hein. Donc, ils ne sont pas discrédités complètement. Bon. Alors, le discours philosophique, et il y a des bouquins là-dessus, les gens peuvent parler un peu tout seuls et souvent ils se contredisent. En science, on progresse davantage parce que c'est par sédiments, il y a des choses qui font consensus et sur lesquelles on ne reviendra jamais. Et le Big Bang en fait partie et donc ça, on peut réfléchir à partir de ça. Je reviens juste rapidement sur la question commencement et création. Il faut bien distinguer effectivement la création, ça veut dire que les choses qui existent, elles existent aujourd'hui parce qu'elles sont maintenues dans l'existence par une cause. Ça, c'est un raisonnement philosophique très important. Moi, c'est un de ceux que je préfère. Mais ce n'est pas le même que celui sur le commencement. Alors, tu citais saint Thomas d'Aquin. Effectivement, il traite beaucoup de ce principe de cette existence qui est donnée par une cause à chaque instant. Donc, c'est la causalité verticale. Mais la causalité horizontale est aussi intéressante. Et il dit dans la Somme contre les gentils que si on arrive à trouver qu'il y a un début à l'univers, c'est encore plus simple, effectivement, de prouver qu'il y a un Dieu. Or, ça vient d'être démontré. Donc, on se sert de ce point-là. C'est très important. Et puis, on reviendra sur la... Il y avait la question, si on a démontré que Dieu existe, c'est quoi la suite? Alors, peut-être qu'il y aura un tome 2. Mais en attendant, pour l'instant, non. Voilà, pour l'instant, on reste là. Igor Igrishka, combien de temps est-ce que... Oui, eh bien, en fait, il existe en physique un temps qu'on appelle le temps imaginaire, mais là, nous sommes dans le temps réel, malheureusement. Et je crois que, à moins que, si je vous dis on reste ensemble pendant 5 heures de plus, ça vous va? Non? Que ceux qui veulent rester lèvent la main. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Bon, donc, je pense qu'on va passer à une autre étape, qui est l'étape de conclusion. Nous allons laisser d'ailleurs la parole à Einstein pour conclure. Et après, vous allez retrouver nos trois écrivains, enfin nos deux écrivains et celui qui a contribué, et qui vont vous dédicacer donc le livre. Michel Yves et Olivier vont faire le plaisir de dédicacer leur ouvrage, Dieu, la science, l'épreuve. Mais laissons la parole à Einstein, qui a dit quelque chose d'extraordinaire en 1936. Et Igor va venir me rejoindre pour que nous puissions le dire à deux voix, ce sera encore plus convaincant. Donc, nous sommes en 1936 à Princeton. Princeton, qui, comme vous le savez, est la plus belle université, la plus grande université à cette époque, et elle le reste encore aujourd'hui. Einstein, depuis 1933, était dans cette université,
Et 3 ans plus tard, il était, comme vous le savez, très célèbre dans le monde entier, avec ses cheveux en broussailles, sa moustache inimitable. Einstein était une figure. Et à un moment, voilà qu'une petite fille d'une dizaine d'années vient vers lui et lui demande « Maître, maître !» Il était au sortir de son cours. « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Einstein a répondu à ce moment-là « Tu poses une très belle question, très importante, mais je ne peux pas te répondre comme ça. Donne-moi ton adresse et je vais t'envoyer ma réponse par écrit. » Et voilà que 10 jours plus tard, la petite fille reçoit cette réponse. Elle est devenue aujourd'hui célèbre dans le monde entier. Nous la connaissons par cœur, Igor et moi, parce qu'elle est extraordinaire. On va essayer de vous la dire à 2 voix. Comme ça, vous serez 2 fois plus convaincus. C'est un exercice difficile parce qu'on n'a qu'un micro pour 2 voix. Enfin, on va essayer, en tout cas. Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans l'histoire de la science finiront par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. Einstein, 1936. Et il nous reste à vous remercier, bien sûr. Vous avez été merveilleux et vous êtes maintenant des grands scientifiques, tous. Merci à tous.